Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 111e rendez-vous du futur. 111 fois que nous nous retrouvons ici au Cube, 111 fois que vous nous retrouvez dans ce projet au long cours. C'est la 10e saison, conçue, préparée, toujours avec professionnalisme, rigueur, enthousiasme, par la JD Carré, le Cube et Triple C. Merci à tous, merci aussi aux chroniqueurs que vous retrouverez dans cette soirée, bien sûr. S'il y avait un mot-clé ce soir, vous le connaissez, c'est la collapsologie, en gros. Je vais éviter de dire trop d'autres mots-clés derrière, puisqu'on va essayer vraiment de s'interroger, de poser une grande question. Mais c'est quoi la collapsologie? On sent que ça monte, on sent que beaucoup de gens commencent à en parler, peut-être pas toujours de manière très fine. On se pose ce soir, on en parle. Et pour en parler avec nous, nous sommes vernis, puisque nous recevons Anne Rumin. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et nous recevons Yves Cochet. Bonsoir Yves. Bonsoir. Et quand je dis nous, bien sûr, nous le recevons avec Nils Azosmanov, président du Cube. Bonsoir Nils. Bonsoir. Sans plus attendre, on va donc présenter assez rapidement nos invités. Nils, la balle est dans ton camp. Ah, c'est toi qui vas nous présenter Anne. Démarre. Alors c'est en deux mots, c'est synthétique, ça nous permet juste, comme ça on se connaît, on sait avec qui on parle, et puis après on parle. Voilà. Alors Anne Rumin, vous êtes étudiante en théorie politique à l'école doctorale de Sciences Po, vous travaillez sur la collapsologie sous la direction de Frédéric Gros, vous êtes également assistante à la mise en scène au sein de l'association Platosphère. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez 22 ans. Oui, et maintenant je travaille avec Gilles Delannoy, plus avec Frédéric Gros. Mais... Ah, on rectifiera. Et alors, si je suis un enfant de 8 ans qui vous demande ce que vous faites dans la vie, vous lui dites quoi? C'est la question qu'André Braïc nous avait... Enfin, c'est la question qu'il se posait, il s'est posé tout au long de sa vie en disant, moi, il faut que j'arrive à expliquer mon métier, donc Saturne, le système solaire, à un enfant de 8 ans. Et si j'y arrive, je serai le plus heureux des hommes parce que j'aurai réussi à transmettre quelque chose. Du coup, nous, ça nous est resté et on se pose la question. J'ai 8 ans, vous me dites quoi? C'est une question que vous m'aviez déjà posée dans un précédent rendez-vous du futur, donc finalement, le jeu est un peu biaisé pour moi. Oui, vous avez dû réfléchir depuis. Je dirais à un enfant de 8 ans que j'essaye de comprendre le monde dans lequel je vis, dans lequel il vit, dans lequel il va vivre. Et que j'essaye de... à partir de ce que je trouve, de ce que j'essaye de trouver, de voir comment on peut vivre avec ça. Très bien. Yves Cochet. Alors Yves Cochet, c'est compliqué de vous présenter, parce qu'à la fois, on vous connaît, et à la fois, on vous connaît peut-être assez mal. Alors, je vais y aller par grande phase, parce qu'on va droit au but. Vous avez un parcours universitaire, où pendant 20-25 ans, vous avez enseigné. Vous étiez engagé dans l'associatif, également. Et puis, de l'associatif, vous avez transformé cet engagement vers la politique, vers le militantisme plus action, si on peut dire. On se souvient de vous comme député, député européen, comme ministre, bien sûr. Et depuis quelques années, vous présidez l'Institut Momentum. C'est quoi l'Institut Momentum en deux mots? C'est une réunion d'amis, enfin, qui réfléchissent alors à des termes dont je vais donner 4 ou 5 exemples. Eh bien, la collapsologie, dont on va parler, mais aussi bien l'anthropocène, qui est un mot qui également devient un peu parlé ici ou là, aussi bien la décroissance, l'écologie, la résilience. En voilà 5 qui demandent à être précisés et qui nous intéressent. Nous, on est à notre 65e séminaire depuis 8 ans et on continue. Et vous continuez. Est-ce que dans vos mots-clés, vous avez le capitalocène? J'ai entendu ça il y a 2 jours. De Raj Patel. Je connais très bien ce terme. Certains de mes amis l'utilisent. Et je conteste très fortement... disons, l'a priori idéologique qui est contenu derrière ce terme. Il y a également un a priori, quand on dit anthropocène, mais celui qui est derrière le mot capitalocène, c'est en gros, depuis la révolution industrielle, c'est le capitalisme triomphant partout, même en Chine maintenant, alors qu'il ne l'était pas il y a 50 ans. Et donc, si jamais on supprimait le capitalisme, en gros, ça irait beaucoup mieux sur Terre. Je conteste orthogonalement cette théorie qui, à mon avis, évidemment, indique des très mauvaises voies d'analyse et de proposition. Je suis un enfant de 9 ans, ou Nils est un enfant de 9 ans, ou 8 ans, c'était 8 ans avant, c'est vrai. Allez, là, maintenant, j'ai 9 ans, parce que je grandis super vite. Vous me définissez comment ce que vous faites? J'ai eu ce parcours, disons, associatif, ou enseignant, ou politique. Maintenant, je suis retraité de l'enseignement et de la politique, donc j'anime des associations, notamment l'Institut Momentum.
Et on s'intéresse aux cinq mots que je viens d'énoncer, mais qui demandent évidemment définition plus précise. Et on essaye d'écrire des livres qui, curieusement, intéressent une partie même des presses mainstream, c'est-à-dire de la presse officielle. Par exemple, nous avons écrit trois livres au nom de l'Institut Momentum, aux presses de Sciences Po, Sciences Po étant vraiment une très belle université française, la gloire de l'élite et du sommet de l'intellection en France, voire même des dirigeants hein, qui font Sciences Po après, ils font l'ENA, ben ils disent pourquoi pas, si jamais ils avaient raison, et ils le publient, et ça se passe très bien. C'est plutôt bon signe, on va évidemment en parler un petit peu après, mais d'abord, on va se plonger dans la revue de presse, on pose un peu le décor, c'est la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie, on se retrouve juste après. Le site collapsologie.fr définit la collapsologie comme l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Ces mots sont repris du livre Comment tout peut s'effondrer, coécrit par Pablo Servigne, que nous retrouvons dans une interview donnée au site mistermondialisation.org le 21 février 2018. L'expert y explique, entre autres, que cet effondrement est d'autant plus inévitable que nos sociétés inégalitaires sont plus violentes, remplissent leurs prisons, détruisent leurs écoles, plombent leur système démocratique, rendent leurs habitants plus stressés, malades, obèses, etc. Les civilisations les plus inégalitaires non seulement s'effondreront plus rapidement, mais aussi plus sûrement. L'émission Harry sur image du 21 juillet donne quant à elle la parole à Agnès Sinaï, fondatrice de l'Institut Momentum, qui souligne la difficulté de se représenter l'accélération actuelle de la consommation, de la production et de la pollution. La folie productiviste n'est jamais critiquée, on en voit seulement les symptômes. Il faut changer de vision du monde et élaborer un nouveau modèle. Ce n'est pourtant pas la direction que semble prendre le ministre français de l'écologie, François de Rugy. Le 5 septembre dernier, il déclarait au micro de France Inter « On peut faire marcher main dans la main écologie et économie ». Une utopie qui sous-entendrait que ces deux notions regardent dans la même direction. Il peut alors être intéressant de se pencher sur une interview de Raj Patel parue le 16 septembre sur le site Uzbek Erika. L'auteur du livre « Comment notre monde est devenu cheap » y explique que l'idée d'anthropocène passe à côté du fond du problème et que nous ferions mieux d'appeler la sixième extinction des espèces en cours « capitalocène ». Ce n'est pas l'ensemble des comportements humains qui nous conduit à la sixième extinction, mais il y a une civilisation qui est responsable et c'est celle dont la relation avec la nature est appelée capitalisme. Propose Raj Patel avant d'asséner « Il est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et ce n'est pas le philosophe André Gorz qui l'aurait contredit comme le prouve un texte prophétique paru en avril 1974 dans le mensuel écologiste Le Sauvage et repris dans les archives du mondediplomatique.fr. Mieux vaut, dès à présent, ne pas jouer à cache-cache. La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. C'est pourquoi il faut d'emblée poser la question franchement. Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s'accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et, par là même, instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature ? Réforme ou révolution ? La langue de bois. Réforme oui. Ou révolution ? Merci Coralie et Jérémy, du coup, parce que effectivement, vous pointez du doigt une vraie question, et là, c'est une sacrée question quand même. C'est une question qui n'est pas d'actualité du tout, réforme ou révolution. C'était un vieux débat depuis le début, disons, des mouvements émancipateurs depuis la Révolution française, si on veut dater les choses. Très bon débat, 19e siècle, début du 20e siècle. On a vu les forces qui s'opposaient, qui s'opposaient même gravement, je veux dire, au sens physique du terme. Ça n'est plus, la collapsologie ne s'intéresse pas à ça, parce que révolution supposerait que par une volonté humaine avec des masses, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes, eh bien, on change de manière assez heureuse et sans trop de casse de système économique. Ça n'arrivera pas. Le système économique, je discutais, bon, c'est toujours une blague que je sors, mais avec Besancenot récemment, il me dit, bon, heureusement, il reste encore la lutte des classes qui va abattre le capitalisme. Je dis, non, ce qui va tuer le capitalisme, c'est la géologie. Et il m'a regardé avec des yeux en disant, mais de quoi tu parles ? Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Les gens pensent que la volonté politique, à l'échelon municipal comme à l'échelon européen ou mondial, va suffire pour faire changer les choses. D'une certaine manière, l'histoire démontre presque le contraire. Prenons un exemple très précis concernant le climat, dont on parle pas mal, le rapport du GIEC il y a quelques jours et tout. Il y a eu le protocole de Kyoto, voilà 20 ans, qui était un protocole juridiquement contraignant, legally binding, comme on dit en américain,
et où il y avait des sanctions pour les États qui ne tenaient pas leur trajectoire de diminution des gaz à effet de serre. Alors, 20 ans après, presque, en 2015, on a eu alors le grand accord de Paris. Le protocole de Kyoto était mort. Grand accord de Paris, qui est un accord purement politique, déclaratif, où il n'y a aucune obligation pour personne, chacun ayant dit « je vais faire pour le mieux dans mon pays ». C'est donc une régression, l'accord de Paris. Et avec d'ailleurs un article 4, dont on pourra parler si vous voulez, qui laisse ouvert n'importe quelle fantaisie, disons, de géo-ingénierie assez catastrophique. Et donc, tout ça est pour dire que la volonté, là, c'était la volonté, il y avait même M. Obama, enfin, M. Sarkozy, non, c'était M. Hollande, etc. Ça ne suffit pas. Ce qui compte, alors je vais venir directement à quelque chose qui me tient à cœur, ça n'est pas le fait même, c'est très bien qu'on en discute ici au Cube avec vous, il faut toujours faire de l'information, mais ce n'est pas un problème d'information et de communication. On dit, mais les gens ne savent pas, ils ne sont pas assez conscients. Ils le sont, et puis il y a beaucoup de moyens de s'informer par l'Internet, etc. Non, c'est un phénomène que j'appelle supraliminaire. Il est tellement gros, il faut tellement d'efforts éventuels pour se rendre compte de quoi il s'agit, que ça dépasse, si on se place du point de vue de la psychologie évolutionniste, donc darwinienne, ça dépasse l'entendement humain, les capacités neuronales de notre appareil cognitif. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Et donc, et c'est une partie des explications du fait que l'effondrement aura forcément lieu, parce que personne ne peut en imaginer l'ampleur et, d'une certaine manière, les moyens éventuellement de le contrer. C'est impossible. Il y a d'autres causes, bien entendu. Alors, le niveau d'angoisse est monté d'un coup. Je pense que sur le plateau, il fait moins de 10 degrés. Effectivement, le rapport du GIEC, vous l'avez dit, dit entre autres que si on monte de 2 degrés le réchauffement, le niveau des mers monte de 10 cm, ça fait 10 millions de personnes qui sont sans abri. Enfin, il y a plein de bonnes nouvelles comme ça. L'objectif, c'est de baisser de 45% les émissions de gaz carbonique d'ici 2030. Après vous avoir entendu, on se dit que ça va être très compliqué, puisque en gros, il faut entièrement réorienter nos sociétés industrielles. Et on voit que, par exemple, il y a des propositions qui, je crois, sont dans le rapport, mais qui sont reprises par des administrations comme Trump, qui est de dire bah, le CO2, c'est pas grave, on va le comprimer, on va le stocker, on va l'enfouir dans les profondeurs, ce qui serait évidemment des bombes à retardement pour nos petits-enfants. Et effectivement, comment arriver à penser ça? Alors peut-être, on va peut-être démarrer par le début, c'est-à-dire que nous sommes des enfants de 8 ans. En fait, on ne sait pas ce que c'est que la collapsologie, on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait même pas comment c'est apparu. Et peut-être, l'un des deux, peut nous dire un petit peu comment la collapsologie est apparue. Ça a été quoi les premiers signaux, les premières alertes qui sont arrivées? Est-ce que c'est dans les années 70? Est-ce que c'est à la première COP? Est-ce que, à quel moment on peut dire que, je ne parle pas du terme en lui-même, hein, je parle des premières alertes qui ont à voir avec la collapsologie. Quelles sont les causes de la collapsologie? Est-ce que c'est que écologique? Est-ce qu'il y a des causes économiques, des causes sociales, des causes, là encore? Ou est-ce qu'elles sont intriquées? Et puis, quels sont les signaux qu'on peut voir, signaux faibles ou signaux forts, qu'on peut voir aujourd'hui? Voilà, déjà, dresser un petit tableau de ce qu'est la collapsologie. Un petit panorama, Anne. Alors, je pense que c'est effectivement important de faire la distinction entre l'effondrement et la collapsologie, parce que la collapsologie, c'est un discours sur l'effondrement parmi d'autres. On pourra peut-être le définir un peu mieux. L'effondrement, pardon, c'est l'idée qu'on va vers la sixième extinction de masse ou pas? Ou c'est encore autre chose? Non, c'est juste pour qu'on soit tous raccord sur les termes qu'on utilise. Oui, c'est pas uniquement la sixième extinction de masse des espèces qui est en cours, si on veut. Il s'agit de bien s'entendre, il faut être assez précis, sinon on se trompe gravement, comme disait Georges Bataille. La catastrophe de Fukushima ou de Tchernobyl ou des pollutions locales, ça n'est pas l'effondrement. Ce que j'appelle effondrement, à la fois systémique et mondial, si ce n'est pas systémique et mondial, ce n'est pas un effondrement. C'est une catastrophe locale, limitée dans le temps et dans l'espace. C'est le fait que les services de base de sustentation de la vie, l'eau, l'alimentation, l'habitat, l'énergie, les transports, éventuellement l'éducation et la santé, et la sécurité, donc ces services de base qui font la vie en communauté. La pyramide de Maslow, en gros, le bas oui, de la pyramide. Oui, j'ai quand même rajouté d'une certaine manière l'éducation, je ne crois pas à la pyramide de Maslow non plus, mais bon. Mais enfin, les services de base ne sont plus garantis à une majorité de la population
par des services encadrés par la loi. Voilà ce que c'est l'effondrement systémique et mondial. C'est-à-dire aucun service de base et dans aucun territoire, que ce soit le Brésil, l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la France. Et ça n'arrivera pas d'un coup d'un seul, comme on se réveille le lendemain matin et alors, ça d'où n'est pas, toutes les catastrophes qui nous viennent. Ça n'est pas une vision, disons, hollywoodienne le jour d'après. Ouais. Mais là, il y a un grand débat au sein même des collapsologues, je ne sais pas ce qu'en pense Anne, sur, disons, à la fois les dates probables et la vitesse probable. Alors moi, j'ai mon opinion, mais je partage volontiers des contradictions avec d'autres qui disent « Non, ça sera beaucoup plus loin, beaucoup, dans beaucoup plus longtemps, et ça ne sera pas tout d'un seul coup. Il y aura des trucs qui s'effondreront, d'autres pas. » Donc il y a un vrai débat, parce qu'on n'en est qu'au début. On va aborder effectivement comment vous imaginez la suite. Mais peut-être... Alors, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a vraiment deux générations pour parler d'un sujet qui est quand même assez lourd. N'hésitez vraiment pas à discuter aussi entre vous, parce que je pense qu'il y aura peut-être des manières de voir qui sont peut-être un petit peu sensiblement différentes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à discuter aussi directement entre vous. Anne, voilà. Oui, Anne, peut-être plus revenir sur les causes. Qu'est-ce qui a mené à l'émergence de plus en plus forte de ce thème-là ? Mais comme un thème, oui, dans notre fiction, on va dire, à nous tous, dans notre grand récit, mais au-delà du thème, une vraie réalité. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les causes de l'effondrement, c'est vraiment la question du rapport au temps et de la représentation qu'on se fait de notre présence au monde. En fait, qu'est-ce que ça veut dire habiter une planète ? Je pense qu'il y a un moment où on a dissocié cette histoire de la planète et la nôtre. En fait, il y a un moment, je crois, où on a arrêté d'habiter une planète. Et ça, pour moi, c'est ça la cause de l'effondrement. Et je pense que... Oui, c'est vraiment cette histoire de rapport au temps qui me travaille, moi, beaucoup, beaucoup. Et à quel moment ça serait, si à un moment plus particulier de cette disjonction, justement, qui se serait faite parce qu'effectivement, on imagine bien que Sapiens, l'Homo sapiens, il y a quelques milliers d'années, mais plus que ça, était dans un rapport à la nature, au réel, qui était très, très immédiat. Mmh. Et qui, certainement, on a décollé de ça. Alors, historiquement... Il y a des débats là-dessus. On peut penser que c'est avec la naissance de l'Anthropocène. On peut penser que c'est avec une forme de... Comment ? C'est-à-dire, même sur les éventuelles dates de début de l'Anthropocène, qui est quand même une nouvelle période géologique, là c'est du très long, il y a un débat entre plusieurs siècles ou la révolution industrielle, oui. Où moi, ma date préférée, c'est juillet 45. Oui. Parce que c'est la première explosion d'une bombe atomique aux États-Unis. Et c'est vraiment une rupture dans l'histoire de l'humanité. Et ouais, je suis assez d'accord avec cette datation. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là et dans les années qui ont suivi que j'allais parler de François Hartog, que le présentisme a commencé à naître. Alors donc le présentisme, c'est un concept donc de François Hartog, l'historien, qui date donc dans les années 1970, mais on peut penser que c'était en germe déjà dans les années 1945 et ça. Donc cette émergence d'un rapport au temps qui est marqué par une omniprésence du présent, un présent qui dévore tout. Ça veut dire au jour le jour, c'est ça, c'est vivre au jour le jour. Et chaque jour est chassé par celui d'après, quoi. Et finalement, un rapport au temps qui est si dépendant de cette forme d'immédiateté renouvelée, c'est un rapport au temps où il se joue quelque chose de la perte de la mémoire. Je pense par exemple à The Big One en Californie. C'est cette idée qu'il va y avoir un tremblement de terre terrible qui va arriver en Californie. Bon, les Californiens, au jour le jour, ne pensent pas forcément à ça. C'est un exemple que prend Pablo Servigne et Raphaël Stevens et je trouve très éloquent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du... Voilà, on est tellement crispé sur notre quotidien. C'est plus confortable, d'ailleurs, de vivre comme ça, dans le vivre dans le quotidien. Est-ce que ce n'est pas pour la même raison qui est qu'on ne peut pas le penser aussi, d'une certaine Bien sûr manière. Que si. Ça échappe Bien au sûr pensée, que quoi. Si. C'est tout à fait, c'est tout à fait lié. Et ce rapport au temps, voilà, ça fait qu'on oublie et on s'habitue. On s'habitue au réchauffement climatique, on s'habitue à tout. C'est comme si vraiment on perdait la mémoire. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on ne s'étonne plus, on ne s'alarme plus, et du coup, on ne fait plus rien pour lutter contre un probable effondrement. Mais effectivement, c'est tellement compliqué
de prendre conscience de ça. Parce que, du coup, c'est la question du récit qui est derrière ça. Enfin, qu'est-ce qui... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de récit collectif aujourd'hui sur tout simplement notre rapport au monde, notre avenir commun, tout un tas de grands sujets un peu philosophiques ? Est-ce que c'est... Alors, pas tout à fait, parce que, bon, comme les collapsologues ou les catastrophistes, disons, dont nous sommes, sont extrêmement minoritaires, hein, il faut bien le dire, il y a des très grands récits actuellement. Il y a le récit du capitalisme triomphant, si on veut dire les choses, du libéralisme qui dit mais avec plus de marché, plus de technologie et plus de liberté, on va y arriver. Il y a quelques problèmes écolos, c'est vrai, le changement climatique. Encore que nous, on en parlait en 1974 dans la campagne de René Dumont, hein, donc ça fait 45 ans. À l'époque, je peux vous dire, les gens, même les journalistes, que vous n'êtes pas, puisque vous n'êtes pas professionnel, roulaient par terre de rire en disant « Les écolos, allez jouer dans le bac à sable, puis nous en... » Non, ce qui compte, c'est quand même la croissance, le marché, la liberté, etc. Bon, que ce soit Mitterrand ou Giscard, d'ailleurs, peu importe. Alors maintenant, quand on parle de changement climatique, les gens rigolent moins. Mais c'était il y a 45 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Ça ne cesse d'augmenter, Et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, malgré tous les discours et les déclarations et les régressions comme l'accord de Paris par rapport au protocole de Kyoto, ça va pas s'arrêter. Parce que, alors on va dire, ouais, mais c'est parce que c'est les lobbies capitalistes, les pétroliers, les marchands de bagnoles qui veulent continuer. Oui, en partie, mais il y a des raisons beaucoup plus profondes dont on pourrait parler. Bon, qui sont liés un peu à ce que Aristote appelait l'oubris, c'est-à-dire le toujours plus, quoi. Ce que d'autres appelaient le fait que, pour le présentisme, nous sommes des globules hédonistes de l'agrandissement de soi. Et c'est notre vie quotidienne, ça. Chacun, eh ben, tous les jours, on se dit « Comment je vais être mieux ? Comment je vais jouir plus ?» C'est l'aveuglement total. Donc, on perd le sentiment à la fois de la mémoire, de la communauté humaine, qu'elle soit celle d'ici les Moulineaux, de Paris, de l'Europe ou du monde. On ne pense pas à nos sœurs chinoises, par exemple. Hein. Et puis, on perd la lucidité politique qu'il faudrait pour changer vraiment les choses au bon moment et à la hauteur qu'il faut. Faire des petits pas, comme disait M. Hulot, ça, c'est toujours facile. Mais les petits pas, comme disait John Stuart Mill, au grand mot, les petits pas n'apportent pas de petits soulagements. Ils n'apportent rien, sauf de la désillusion. C'est-à-dire, vous avez fait un truc, et moi, ça ne marche pas. Bon, bah non, alors c'est pas la peine, il ne faut rien faire. Et puis, je vais me saouler, ou bien puisque c'est la fin du monde, autant être égoïste, calculateur, etc. Tout ça est très, très mauvais, quoi. C'est des mauvaises politiques et des mauvaises pensées. Donc, il y a un angle et une analyse de la situation, comme disait Anne. Si on n'a pas la bonne analyse de la situation, on prend forcément des mauvaises décisions. Pas faire de politique directement ici, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Depuis, disons, 50 ans, pour donner un bel espace de temps, parce qu'il faut voir les choses dans la durée et pour les masses. Hein. Les petites anecdotes, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est pas ça qui fait l'histoire. Hein. Je crois, comme Karl Marx, que ce sont les masses qui font l'histoire. 500 millions d'Européens, 1,3 milliard de Chinois, 300 millions d'Américains, là, ça pèse. Bon, le fait qu'il y ait un accident de la route près de chez moi, c'est dommage, mais bon, ça fait pas l'histoire. Arrêtez-moi parce que sinon je vais trop parler. Je vais bientôt vous arrêter parce qu'on va faire une petite... je vous arrête tout de suite du coup. Mais on en revient à ce que vous disiez sur les petits pas justement. Et là c'est une question de Anne-Sophie Novel qui nous a fait l'amitié de poser des questions dans chacune des émissions cette semaine. Et Anne-Sophie Novel, je l'ai rencontrée à Bordeaux et voilà, on a filmé une petite question et on se retrouve juste après. La collapsologie, c'est un sujet que je suis depuis plusieurs années. J'en ai beaucoup parlé avec Pablo Servigne ces derniers temps. Je suis Yves Cochet depuis longtemps aussi, ça doit faire 10 ans. Donc ça a toujours été là. Mais cet été, je crois que comme beaucoup, j'ai eu une prise de conscience. Je ne sais pas si on peut appeler ça, mais je crois que je suis montée d'un cran dans ma prise de conscience et dans mon vécu de transitionneur, on va dire, à cause de la canicule, où je me suis vraiment dit, mais en fait, tous nos étés vont être comme ça maintenant. Les extrêmes, ça va être de plus en plus nombreux. On va avoir des périodes très pluvieuses, d'autres très froides, d'autres très chaudes. Et comment faire pour s'organiser ? En fait, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je ne pourrais peut-être pas vivre toute ma vie là où je suis aujourd'hui. Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, est la région la plus touchée par le dérèglement climatique aujourd'hui. Comment vais-je faire ? Et donc, j'ai eu un réflexe très individualiste à me dire, mais il faut qu'on trouve un endroit où habiter plus tard avec les enfants. Et on ne va sûrement pas leur demander de faire des grandes études, mais d'être juste, voilà, avoir du bon sens et avoir un bon rapport à la Terre. Donc, je me suis dit, tiens, tu as un réflexe qui est très individuel.
Et donc mes deux questions, ça serait comment fait-on pour justement ne pas tomber dans un dans une espèce de forme de repli qui peut n'amener qu'à de la violence, je pense, et un enfermement. Et deux, c'est comment faire pour garder quand même le sourire et pas s'enferrer dans une approche trop dure ou trop triste, et pour garder la pêche quand même, quoi, pour garder l'envie d'agir. Juste pour resituer, et puis après, évidemment, elle vous pose une question à tous les deux. Anne-Sophie Novelle, je vous encourage vivement à aller sur son blog alternative.lemonde.fr. C'est de moins en mieux également, son blog. Et puis, elle s'attaque à un sujet assez fort qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions autour des médias. Les médias, Le Monde et moi, un documentaire qu'on suit de près. Donc, vous serez les premiers à être au courant dès début 2019, a priori. Anne-Sophie, moi ça m'a fait quelque chose parce que c'est toujours quelqu'un, elle avait créé toute la communauté Écolo Info, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de voir le côté positif des choses et de toujours la politique des petits pas. On agit, on fait des choses, on braque le projecteur sur des initiatives sympas. Là, elle a un autre ton quand même maintenant. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions, Anne ? La politique des petits pas, c'est un peu compliqué maintenant, je crois. Je pense qu'il faut un vrai changement de paradigme, de représentation. Et c'est très bien, enfin c'était très intéressant qu'elle souligne elle-même, j'ai eu une réaction un peu individualiste, parce que la tentation du repli sur soi, du je vais aller partir avec mes potes dans une communauté, c'est quelque chose qu'on a, mais... Ce qui est important en temps d'effondrement, ça va être d'essayer de faire quelque chose ensemble, quoi. Alors après, j'ai pas de solution concrète. Il y a plusieurs choses qui existent. Il y a des gens qui prônent une action directe. Faire attention aux mots, mais oui, ouais, effectivement. Non, mais c'est des gens qui... si, mais c'est ce que je voulais dire, une action militante forte qui va consister à boycotter, quoi, des trucs. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi cette idée de partir faire... aller dans une communauté, mais quand même continuer de produire politiquement des choses, etc. Mais, enfin, la question de la solution est tellement... il faut d'abord passer par cette espèce d'énorme arrachement qui est le changement de paradigme total, quoi. Et à partir de ça, on pourra vraiment essayer de créer quelque chose, je crois. Alors, on va évidemment poursuivre sur cette veine-là parce que c'est passionnant. Mais avant, excusez-moi, je voudrais juste qu'on termine de dire ce que c'est que la collapsologie, parce que moi, je ne sais toujours pas très bien, puisqu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Or, ce que j'ai entendu par ailleurs, c'est que finalement, la collapsologie, c'est une problématique d'effondrement de la société thermo-industrielle telle qu'on te connaît, et c'est donc totalement relié au pic de pétrolier. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus ce qu'on met derrière le mot collapsologie slash effondrement, enfin justement, quoi, qu'on... Alors, essayons d'être didactique et compréhensible. L'effondrement, je l'ai déjà défini, et encore une fois, c'est à l'échelle mondiale et systémique, dans tous les domaines. Donc, c'est une rupture, quand même, de pensée avec... Par exemple, il y a eu Katrina, vous vous souvenez, c'était affreux, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, mais il y avait des secours extérieurs. Dans l'effondrement, au sens où je l'entends, il n'y a pas de secours extérieur, puisque tout le monde est touché. En ce sens-là, par exemple, on parlait de Capital Océan tout à l'heure, il n'y a pas des bourgeois protégés de l'effondrement, et puis une foultitude d'une masse de prolétaires de l'effondrement qui, eux, seraient sacrifiés pendant que les autres seraient, au contraire, survivants pendant des années. Ça, je n'y crois pas un instant, alors que beaucoup, même des collapsologues, y croient. C'est-à-dire que ça ne va pas être pour tous, certains vont s'en tirer, toujours les mêmes, les riches, ils construisent des îles, ils ont des isolats, ils ont des forteresses, comme on voit dans le film Soleil Vert, hein, où on voit que, évidemment, les pauvres se bouffent entre eux, en gros, tandis que les riches mangent encore de la viande, enfin, c'est incroyable. Hein. Et donc là, il y a une différence de classe, quoi. Typiquement une analyse marxiste, qui n'a pas lieu du tout. Hein. Avec ça, donc, il y a des débats très forts au point de vue de la bagarre des idées sur le plan des angles de vue et de l'analyse du monde. Donc, ce n'est pas ça. L'effondrement, c'est pour tout le monde, même si actuellement, bien sûr, l'environnement des pauvres est le plus dégradé sur le périph' et au Bangladesh que ceux qui vivent à Neuilly et à l'ouest de Paris, bien entendu. Mais ce n'est pas le même monde du tout.
C'est pas le même monde. Actuellement, le fait d'être smicard en France, vous êtes 10 fois plus heureux que Louis XIV et 100 fois plus qu'un habitant du Zimbabwe ou du Burkina Faso. Il faut voir quel est le niveau de vie extraordinairement heureux. Je parle bien du smicard. Dire, ouais, mais quand même, d'ailleurs, il y a des manifs, là, il faudrait quand même qu'on conserve notre niveau de vie et puis qu'on ait un peu plus de sécurité sociale parce que le gouvernement est en train de tuer les protections sociales et puis on n'a pas assez de pouvoir d'achat. Discours. Alors, évidemment, je peux le comprendre, puisque moi-même, je suis dans le même cas. Mais ça n'est plus ce discours-là du tout, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'effondrement. Alors, la collapsologie, c'est l'étude qui croit ou qui a la volonté d'être scientifique sur l'effondrement. Alors que le catastrophisme, on peut dire, c'est l'étude plus, et il la faut aussi, plus littéraire, plus poétique, plus intuitive, plus artistique de l'effondrement. Il y a l'effondrement, qui est le phénomène matérialiste majeur, et puis il y a des points de vue sur l'effondrement, soit le point de vue de quelqu'un qui veut faire de la science, donc des études de recherche très fortes, soit qui veut ressentir un peu comme dans les livres de science-fiction. Et les causes principales de l'effondrement systémique, donc c'est quoi? C'est la fin du pétrole? Alors, il y en a, évidemment, si on regarde les penseurs de l'Anthropocène, moi, on va en citer deux comme ça, hein, pour avoir l'air un peu pédant et savant. Il y a un très grand savant australien qui s'appelle Will Stephen, bon, qui, on peut dire, qui étudie le système Terre. Ce n'est pas tout à fait la géologie, c'est le système Terre en tant que l'ensemble des grands systèmes, des grands cycles, par exemple le cycle du phosphore, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, etc. Le cycle de l'énergie, et bon. Et Will Stephen, lui, il distingue à peu près 24, on peut dire, critères ou paramètres de la dégradation du système Terre. Il y en a 12 qui sont d'ordre géobiophysique, écologique, si on veut, et 12 d'ordre socio-économique. Alors un autre de ses collègues, qui est professeur au Stockholm Resilience Institute, je le dis avec l'accent de Montélimar, mais c'est en anglais, et qui s'appelle Johan Rockström. Lui, il en distingue 10, hein, des espèces de tableaux de bord comme dans un avion. Alors on regarde, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est typiquement, évidemment, un bon critère pour savoir si ça va mieux ou pas. Alors on peut dire, non, on va les réduire, elles continuent à augmenter. Et en 92, quand on était là au deuxième sommet de la Terre, en 92, hein, on était là sur la plage de Ipanema, on disait, ça y est, on a signé la convention climatique, on a signé la convention biodiversité, on a signé la convention de protection des forêts, ça, maintenant le monde va changer. Rien. Tout s'est dégradé. Regardez vraiment les études scientifiques de Will Stephen ou de Johan Rockström ou d'autres, hein, de Barnowski, par exemple, qui est un écologue californien. Bon. Alors, quand on a ça, eh bien, soit on essaye d'en tirer des conclusions, disons, sociopolitiques, un peu comme ça pourrait être mon rôle, puisque moi, j'ai été dans le monde politique professionnel pendant 23 ans, soit on essaye, alors avec les associations, avec les collègues là où on est, la famille, les voisins, de dire ben, comment, par rapport à ces informations que j'ai, la première des choses, c'est qu'il ne faut surtout pas rester tout seul. Si vous restez tout seul, bah, vous devenez facho-survivaliste avec une Winchester au fond des bois. Alors ça, ce n'est pas du tout la solution. Soit alors, vous tombez dans la déprime, quoi, la déprime sérieuse, parce que ces trucs-là sont extrêmement graves. Enfin, encore une fois, on peut à peine les conscientiser tellement c'est affreux. Après, on peut se replier seul, mais seul avec les cires, au final. Oui, alors il y a un petit, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a tout sur Internet, hein, dans YouTube, etc. Il y a une petite vidéo, ben, non, vous irez la voir si vous la retrouvez, où on voit un gars qui a pensé justement se replier avec les siens, sauf que les siens, parce que ça divise les familles, ça. C'est un petit peu comme Notre-Dame-des-Landes, ou jadis Plogoff, etc. Ne croyez pas que c'est des conversations tranquilles du dimanche midi, où on partage. Non, ça divise les familles. Il y en a qui y croient, qui disent, mais il faut s'organiser, il faut essayer de sauver le monde et l'humanité. Et d'autres qui disent, mais non, mais c'est l'histoire des écolos extrémistes, c'est des radicaux, ça ne va pas du tout, ça n'existera jamais. Enfin, soyons positifs, soyons optimistes. On s'en est toujours sortis. This time, it's different. Niels, un rebond ou une chronique? Ah, bah c'est compliqué, mais on le savait. Je vais me remettre.
Non, je voulais juste qu'on continue. Je suis désolé d'enfoncer le clou. Peut-être Anne a un éclairage complémentaire sur, pour finir de mettre dans le panier, voilà, ce qu'on met dans la question des causes de l'effondrement, dont on a bien compris que c'était systémique, pour qu'on puisse dire que ça soit un effondrement. Et quelles sont les causes, peut-être, enfin. Parce que c'est systémique, on voit bien qu'il y a un effet domino de toute manière et que ça va toucher tout. Mais il y a bien des facteurs clés, comme on dit, notamment l'énergie. On le voit en ce moment à la pompe, le plein, il va passer à 100 euros bientôt. Qui pourra continuer à se payer des pleins à 100 euros? Comment on va continuer à transporter les marchandises qui, donc tout va monter, tous les prix vont monter. On sait que l'autonomie alimentaire de Paris, par exemple, c'est 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Si les camions s'arrêtent de rouler, on n'est pas bien. Et donc des exemples comme ça, il y en a plein. Donc on voit bien qu'à un moment, on va vers un état de crise systémique, justement, mais qui est causé, là, pour le coup, par l'augmentation du prix du pétrole, parce que plus son fort profond, plus ça coûte cher. Et... Oui, et puis il y a un vrai problème avec ça, c'est que y a l'épuisement de ces ressources-là. La production de pétrole qui va décroître, etc. Le bois, l'eau, le gaz, tout ça, ça va décroître aussi. On peut craindre une pénurie permanente d'ici 2030, des choses comme ça. Et alors, du coup, on commence à miser sur, par exemple, l'éolien, des choses comme ça. Sauf que pour mettre en place ces sources d'énergie dites renouvelables, en fait, il faut mobiliser toutes ces premières ressources. Donc finalement, ces ressources dites renouvelables, elles sont profondément dépendantes de tout ça. Des matériaux rares, voilà. Qui, eux, ne sont pas infinis. Donc la question de l'énergie, c'est une vraie question. Et ça peut être une vraie cause d'effondrement, je pense. Je crois que sur l'éolien, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est à peu près 1% de l'énergie mondiale. Le solaire. Et en fait, si on voulait aller à 30%, par exemple, les études montre que c'est impossible, ça prendrait 200 ans, ça, on n'aurait pas les matériaux rares possibles pour le faire, pas suffisamment, etc. Quoi. Donc effectivement, il y a peut-être un mythe aujourd'hui autour de la fameuse transition énergétique que Rifkin est venu nous expliquer ici, hein, c'était un grand moment, comment on allait sauver la planète avec effectivement le smart grid et la smart city. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que c'est un mythe, quoi, qu'on ne va pas y arriver, je ne sais pas quel... Jérémy Rifkin a écrit beaucoup de livres et il se trompe en gros 9 fois sur 10. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens, c'est un auteur à succès. Hein, c'est un storyteller. Storyteller, il est très brillant et tout ça. Il a même réussi pour la région des Hauts-de-France, là, à leur dire, écoutez, on va changer toute votre région, on va faire la transition, parce qu'il y a les villes en transition, là, avec Rob Hopkins, le demi-dieu, etc. Et puis, alors, il faut justement se raconter des histoires pour que ça ne soit pas trop triste, ce qui est une bonne chose, il faut effectivement le faire, mais à condition que c'est toujours pareil. Si vos axiomes initiaux sont mauvais, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Par exemple, l'économie néoclassique, qu'on peut appeler libérale maintenant, mais c'est une supercherie intellectuelle qui marche parce que 99% des économistes et des dirigeants du monde croient que c'est vrai, alors que c'est totalement faux. Les axiomes sont pratiquement tous faux. Comment peut-on croire que, par exemple, les consommateurs sont des individus égoïstes, calculateurs et rationnels qui maximisent leur utilité ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'utilité ? Vous avez déjà vu une fonction d'utilité ? Mais pas du tout ! Des gens comme Spinoza ont au contraire démontré que la rationalité, heureusement ça existe, la raison, Descartes aussi, mais c'est au service des pulsions et des émotions, pas du tout de la rationalité. Et donc quand on fait des choix d'achat de quoi que ce soit, ou des choix politiques, ou des choix de vie, etc., c'est toujours d'abord sous le coup de nos émotions. Et ces émotions-là sont sous le regard des autres. C'est le deuxième point que j'aurais pu, qu'on va évoquer pour dire que l'effondrement n'est pas possible à être évité, il est inéluctable, c'est qu'on ne réfléchit pas soi-même tout seul en disant « qu'est-ce que je vais faire demain matin ?» On réfléchit sous les yeux des autres. En fait, ma vie est faite par les yeux des autres. Je ne suis pas tout seul comme ça, comme un être rationnel, un esprit pur dans sa tour. Or, pourquoi les gens agissent ? Pas tellement parce qu'ils ont fait un raisonnement comme Anne-Sophie qui a dit « ça y est, j'ai enfin compris quelque chose, donc je vais agir, etc. » J'ai même évoqué la possibilité de partir quelque part avec mes enfants et tout ça. Non, elle va regarder si les autres le font aussi.
Et comme tout le monde est placé dans la même position, personne ne fait rien. Ni les dirigeants, ni les citoyens. Il faut des leaders, il faut des lanceurs d'alerte, il faut des suiveurs. Il faut au moins ça, et il faut surtout des gens qui massivement le font. Et pour le moment, on me dit, bah oui, mais dans le film Demain, là, qui a eu un grand succès, là, on a vu des exemples. Mais c'est un petit peu comme les énergies renouvelables, qui sont en fait 1% de l'énergie du monde. Les fossiles, c'est 85% de l'énergie du monde. Ça, c'est du sérieux. Et vous ne changez pas ça en 10 ans. Hein. Entre 85 et 1, il faudrait peut-être, en effet, plusieurs décennies, voire des siècles. Parce qu'il faut voir les investissements qu'il faut. C'est des dizaines de milliers de milliards de dollars. C'est presque incompréhensible. Donc vous ne changez pas ça simplement par la volonté. En plus, il faut que ça soit terriblement persévérant, avec des plans multi-quinquennaux. Non, on n'y arrivera pas. Et pour autant, on sait, on commence à savoir, et ça commence à savoir, que ce n'est pas infini, que toutes ces énergies fossiles ne sont pas infinies. Tous ces minerais qu'on va chercher, à un moment, on ne peut plus le creuser. Interrogez M. Total, M. BP, M. Shell, M. Exxon. Ils vont dire, si on fait de la recherche, on va en trouver d'autres, par exemple, sous l'Arctique. Ou le schiste, ou le... Oui. Et puis, il y a les huiles de roche-mère, qu'on appelle le gaz ou le pétrole de schiste. Si, vous inquiétez pas. Alors, tout ceci, si on écoute d'autres, des gens qui ont beaucoup l'habitude du pétrole, comme les gens de l'ASPO, je ne sais pas si vous connaissez cette association tout à fait exceptionnelle, ça veut dire en anglais « Association for the Study of Peak Oil », c'est-à-dire le fait qu'on a un maximum de production d'hydrocarbures, notamment l'hydrocarbure liquide, disons le pétrole et ses dérivés, et puis que ça va baisser. Ça va baisser quand? Alors moi, je me suis trompé de 10 ans. Mais 10 ans, c'est rien. C'est une fluctuation de l'histoire, c'est une pichenette, c'est rien. Je pensais que ça allait être dans les années 2012-2015, ça sera les années 2022-2025. Voilà. Mais personne n'y croit. Dans la loi transition énergétique, regardez le journal officiel de la République française, où il y a tous les débats de l'Assemblée, loi transition énergétique, jamais il ne parle du pic de pétrole. Jamais, c'est jamais évoqué. Jamais il ne parle de ce qu'on appelle le temps de retour énergétique. Je ne parle pas du temps de retour financier. De ce que c'est que le temps de retour d'une filière énergétique. Par exemple, le temps de retour de la filière photovoltaïque. Tous les écolos adorent le photovoltaïque, c'est formidable, on transforme le soleil en électricité directe, c'est formidable. C'est une très grosse erreur. Jamais la filière photovoltaïque sera autopoïétique, comme disaient les Grecs. Elle ne pourra jamais rembourser l'énergie qu'il a fallu pour la mettre en place. Jamais. Alors que le pétrole et le nucléaire, ça, c'est de l'énergie. Alors là, ça fait très longtemps qu'ils ont remboursé, hein. Parce que c'est de la vraie énergie. Le photovoltaïque, les éoliennes, on fait plaisir aux écolos, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Mais alors là, mes amis de EELV, de mon parti politique, disent « Mais non, ne dis pas ça, c'est pas vrai. On aime les éoliennes et le photovoltaïque. » Mais les gars, mais rêvez, continuez à rêver, et puis on en parle dans 10 ans. On va faire juste une petite respiration avec une petite chronique de la tortue. Chronique de la tortue, et on se retrouve juste après. On va poursuivre notamment avec les points de vue d'Anne. Bonjour les collapsologues. C'est marrant que vous soyez dans le rendez-vous des futurs parce que il y a un mois ou deux, une amie très chère m'a parlé d'un ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Alors je suis navrée, j'avais vraiment l'intention de lire cet ouvrage en entier avant de tourner ma chronique, mais mon amie qui devait me prêter cet ouvrage doit s'arrêter après chaque chapitre pour prendre un Xanax, et le pire dans cette histoire c'est que ce n'est même pas une blague. Alors faute de pouvoir parcourir l'ouvrage un peu de référence dans la collapsologie, j'ai quand même lu un certain nombre d'interviews et regardé la websérie de Clément Montfort, et bon, je pense avoir compris de quoi il s'agit. Alors je vais pas revenir dessus, hein, vous l'expliquez bien mieux que moi, mais voilà, moi en tant que blogueuse écolo, j'ai forcément un focus un peu pratique, et je me demandais comment augmenter sa résilience en tant qu'individu, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et à absorber un choc pour continuer à vivre. Alors j'ai bien pensé hein, faire pousser ses légumes sur son balcon ou dans son jardin, fabriquer ses produits d'hygiène et ménager, aller au boulot en vélo, tricoter ses vêtements, mais enfin, tout ça, ça me paraît quand même un petit peu dérisoire par rapport à l'ampleur de ce que vous nous annoncez. Et donc ma question toute simple de ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, pour se préparer à l'effondrement ? –
Donc là, avec Anaëlle, merci Anaëlle, on est effectivement dans le vif du sujet. Juste avant qu'on réponde à cette question, puis qu'on aille sur les individus, au final, comment on se prépare, posez vos questions. Vous le savez, et j'ai oublié de vous le dire au début. Et j'ai d'ailleurs un autre message. Mais ce message, c'est emparez-vous l'émission, vous le savez, avec Twitter, le hashtag RDVF. Vous tweetez et posez vos questions. Moi, elles m'arrivent là, sur mon truc avec des métaux rares. Et derrière, je les pose. Voilà. On n'a pas encore trouvé le... Mais on va le trouver. D'ailleurs, Anaëlle, suivez son blog, La Révolution de la Tortue, parce qu'elle parle d'une nouvelle génération de smartphones, le Fairphone, mais aussi tous ces smartphones qui se recyclent. C'est une piste intéressante. Et le deuxième message, excusez-moi, le deuxième message, on pense très fort à Clément Montfort qui a été abordé. On a parlé de sa série Next, qu'on vous invite vraiment chaleureusement à voir d'urgence. Clément Montfort devait être parmi nous ce soir, il n'a pas pu, mais il sera parmi nous à nouveau parce que c'est un ami des rendez-vous du futur, évidemment. Anne, une réponse, un élément de réponse, Anaëlle. Oui, c'est finalement un petit peu la même question que tout à l'heure. Et oui, tout c'est changer son mode de vie comme ça. Il faut le faire. Il faut continuer de le faire de façon individuelle, etc. Certes, il faut travailler sur une forme de résilience intérieure, c'est-à-dire faire son deuil, etc., etc. Oui, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de penser l'individu. Enfin, si, c'est évidemment important, mais il faut agir ensemble, quoi. Il faut, tous ces petits gestes, il faut vraiment les multiplier, etc., etc. Mais c'est toujours cette question de comment agir ensemble. Ça veut dire qu'il faut propager tous ces signaux. Il y a des sites, parce que c'est souvent sur Internet quand même, pour boycotter. Il y a des supermarchés coopératifs. Il y a quoi ? Enfin, en gros, il y a plein de choses pour travailler ensemble. Il faut le faire savoir. Ça. C'est ce que dit Cyril Lion aussi. Il y a plein de choses, mais elles ne sont pas raccordées. Donc, ça ne fait pas système. À un moment donné... Alors, vous allez dire que ça ne sert à rien. Bah si, Anne, justement, c'est ça, c'est quand même utile. Bah, c'est bien de le faire, il faut le faire. Enfin, j'adopte là le regard du collapsologue. Il faut le faire, tout ça, c'est bien, il faut. Mais il ne faut pas penser que c'est pour autant que l'effondrement n'aura pas lieu. Non, il ne faut pas faire ça pour faire reculer. Non. Ça arrive. Mais ce qu'il faut, c'est mettre en place une société qui soit capable de se remettre de ça plus rapidement, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Yves ? Oui, partiellement. Maintenant, on va prononcer les mots les plus cruels pour être, enfin, au moins, disons, homogène avec mon intégrité intellectuelle. Les éco-gestes et les démarches individuelles, évidemment qu'il faut le faire, mais très peu le font, ou bien le font avec des éco-gestes dérisoires. Alors, malheureusement... Il y a eu une infographie de l'AFP, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était hier, et qui disait que prenait une dizaine d'éco-gestes que chacun pourrait ou devrait faire pour éviter l'emballement climatique, la perte de biodiversité et toutes ces horreurs. Et ils ont classé par efficacité par rapport justement aux horreurs en question, c'est-à-dire l'approfondissement de l'anthropocène et de la catastrophe. Alors, par exemple, changer d'ampoule, c'est presque rien, et ce n'est pas la peine de faire ça. Et ils ont classé comme ça. Les quatre dernières, c'était dans l'ordre croissant. Alors, il y a d'abord arrêter de la voiture. Il faut arrêter la voiture. Prendre les transports en commun. Alors, c'est assez facile à Paris. En Île-de-France, c'est plus difficile. Et encore pas, je vous dis, c'est pratiquement impossible. Arrêter la voiture. Ne plus prendre l'avion. Et puis, la dernière, alors j'hésite à le dire parce que c'est de très loin... L'éco-geste le plus efficace en matière, disons, de ralentissement de la catastrophe, c'est refuser d'avoir un nouvel enfant. C'est-à-dire, si vous n'en avez pas, ben, je dis non, finalement, on est en couple, mais on n'en fait pas. Si on a déjà un ou deux ou trois, vous dites non, pas de nouvel enfant. Et là, c'est à peu près, j'hésite à le dire, mais 30 fois plus efficace que tous les autres éco-gestes, que même que la bagnole, quitter sa bagnole, que la viande, même que tout ça. Ah là là, c'est extrêmement efficace. Notamment et surtout dans les pays du Nord, les pays riches. Car quand on regarde l'empreinte carbone de quelqu'un qui est du Burkina Faso, mais ou ailleurs, ou au Cameroun, elle est à peu près, pour un nouveau-né, ben, c'est à peu près 56 tonnes de CO2 pendant toute sa durée de vie. Alors que pour un enfant, disons, européen, c'est-à-dire né sur le sol d'Europe, il n'est pas forcément européen, c'est peut-être un migrant, hein. Peu importe, c'est comme le smicard, c'est peut-être un gars aussi qui travaille au black, que sais-je, ou américain,
Mais là, c'est des milliers de fois plus, quoi. C'est des milliers de tonnes de CO2 qui sont évitées si l'enfant ne naît pas. Alors là, on me traite de nazi, carrément. Là, on est au point Godwin. Non, mais t'es eugéniste, t'es contre les enfants, tu n'aimes... J'ai une fille, hein, et j'ai même deux petits-enfants. Bon, je veux pas... Évidemment, c'est au contraire pour l'amour de l'humanité que je dis ça. Et là, c'est l'AFP. Là, qui... Alors, l'AFP l'a diffusé. Et alors, ça donne quelques... Je ne sais pas si c'est viral sur Internet ou ces trucs. Enfin, de toute façon, l'Internet, en 2035, il n'y en aura plus. Hein. Je peux vous le dire, là. Il faut tweeter, c'est maintenant. Vous pouvez tweeter, c'est maintenant, parce qu'il n'y en aura plus. Et l'électricité, s'il y en a encore, elle sera intermittente. Alors, vous voyez que ce n'est pas la peine non plus de trop... le mondial de l'auto, c'est le système des bagnoles autonomes, les voitures électriques, etc. Illusion, enfin, c'est vraiment... On est dans un autre monde, quoi. C'est la continuation du vieux monde. Alors ça, c'est vraiment la continuation du vieux monde. Donc, il faut changer radicalement. Non pas que je sois, moi, une sorte d'extrémiste ontologique, je serais génétiquement différent des autres en disant « Non, mais moi, je suis un radical, attention. » Je suis très réformiste, très rationaliste. Et je l'ai été d'ailleurs pendant presque toute ma vie, sauf que je regarde le monde tel qu'il existe réellement, pas avec les yeux de Marx ou de Ricardo ou d'Emmanuel Macron. Pour revenir sur la natalité, en 2009, vous avez mené une croisade antinataliste. Croisade, oui, oui. Pour dissuader financièrement les familles qui envisageraient de concevoir un trop d'enfants en réclamant la grève du troisième ventre. Je sais pas si... Du troisième ventre européen. Européen. Donc il fallait notamment inverser l'échelle des prestations familiales. Oui. Et vous disiez effectivement déjà en 2009 que le coût écologique d'un enfant occidental était comparable à 620 trajets Paris-New York. Oui, en avion, absolument. Effectivement. Absolument. Et je l'ai redit dans une interview, ils m'ont interrogé à propos de l'infographie de l'AFP, là, dans l'express.fr de cet après-midi. J'ai la même chose, hein, la même chose. Ma position n'a pas changé. C'est évidemment, on dit oui, mais c'est quand même un choix. Puis nous, les femmes, on est libérées maintenant avec les moyens de planning familial, etc. C'est le choix du couple. C'est un choix politique. On n'est pas innocent devant la nature et devant le futur, y compris et justement pour ses enfants. On n'est pas innocent. Quel monde. Donc c'est pas du tout. Et je suis, on peut dire, néo-malthusien d'une certaine manière. Et c'est surtout pour les pays d'Europe, là où l'empreinte carbone est la plus forte. Le fait, alors quand on voit l'extrême droite, il dit ouais, mais c'est le ventre des femmes africaines qui est fertile, etc. Il faut qu'ils arrêtent là-bas. Mais non, ça c'est presque rien, quoi. Donc il faut là aussi voir décoloniser l'imaginaire, hein, complètement, de manière très complète. Hein. Donc alors j'appelais ça grève du troisième ventre européen. Ou alors, quelquefois, par exemple, là, en effet, inverser l'échelle des allocations. Vous mettez ça sur un bulletin, enfin, sur une profession de foi pour les prochaines européennes en 2019. Là, vous n'êtes pas élu. Hein. Ça consiste à dire, en gros, ce que disent certaines amies, eux, qui sont également néo-malthusiennes, « One is good, two is enough ». C'est-à-dire, on donne des allocs au premier enfant, alors qu'actuellement, on n'en donne pas. On n'en donne pas, actuellement. C'est au deuxième que vous recevez les allocs. On en donne au premier enfant, au deuxième, on les diminue, au troisième, vous n'avez plus d'alloc, ni pour le premier, ni pour le second. Ça, c'est une politique, on peut dire, raisonnable, qui va à l'inverse de toute la politique de la France depuis 100 ans, qui était une politique, en gros, de revancharde après nataliste, à cause de la guerre de 1870. Il fallait quand même foutre la pâtée à ces salauds de Bosch, et donc faire des enfants pour faire de la chair à canon. C'est ça, la politique de la France depuis 100 ans. Donc il faut bien analyser les choses, sinon on erre gravement. Hein. Alors il y en a un qui ne va pas être élu non plus, je crois, c'est l'astrophysicien Aurélien Barreau, qui a fait 4 millions de vues avec une vidéo de 12 minutes, dans laquelle il déclare, je cite, « L'utilisation croissante des ressources dans un monde de taille finie mène à ce qu'on appelle en physique une instabilité, et un système instable est un système qui va crasher. Laisser la planète se réchauffer, c'est accepter qu'il y ait potentiellement 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 30 ans, ce qui revient à léguer un monde en guerre à nos enfants. » Donc, pour éviter cela, il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles, et on ne peut plus faire autrement. Ça, c'était un climax en septembre. Votre réaction ? Oui, mais même peut-être qu'Anne, tu peux répondre aussi. Anne, le mal dominant. Exactement. Alors, c'est une idée qui, finalement, assez... que beaucoup de collapsologues partagent, à savoir qu'il faut mettre en place des lois fortes, des lois qui déplaisent, des lois qui nous permettent d'encadrer ce phénomène qui vient. Oui, il va falloir des lois comme ça, effectivement, il va falloir des mesures très fortes, il va falloir des choses comme ça. La question, c'est comment on prend
comment on fait ses choix, comment on adopte des mesures comme ça. Quelque chose qui me fait un petit peu peur, moi, parfois, dans ce type de discours, c'est l'idée qu'il y aurait des savants qui vont pouvoir éduquer choix, le peuple. Quoi. C'est, enfin, je ne veux pas qu'il y ait un discours... J'ai toujours un peu peur dans cette forme de discours qui est quelque chose qui relève d'une forme d'infantilisation avec... en même temps, c'est dans le discours du collapsologue, c'est ça. C'est l'idée que s'il y a un effondrement, c'est parce qu'il y a eu un hybris. Donc peut-être qu'il faut effectivement des lois pour calmer cette démesure. Mais en même temps, il faut faire attention, je pense... Aux procédures qui font qu'on va adopter de telles lois comme ça. Certains parlent d'ailleurs de dictature verte. Alors après, on ne parle pas encore de terrorisme vert, mais on assiste à une radicalisation justement de gens qui appellent à quelque chose de dur, de rigide, vert. Mais Paul Jorion, qui était venu ici, oui, nous avait dit que tout ça allait créer une forme de désir de totalitarisme. Et qu'il y a un risque, et d'ailleurs on voit que ça clignote un peu partout dans le monde, hein. Mine de rien, là, j'ai ressorti un schéma de la liberté de la presse dans le monde en 2018, c'est Reporters sans frontières qu'on accueillait hier qui a produit ce schéma, donc je ne sais pas si on peut le remontrer à la caméra, oui je vois. Vous voyez de loin tout ce qui est en rouge, bah, c'est là où ça se passe mal pour la presse, et ce qui est en orange, pas terrible non plus. Là où ça se passe bien, c'est en blanc. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et là, c'est en noir, c'est mort. Voilà, et en noir, c'est... alors, je fais évidemment une petite corrélation, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, qui est le rôle des médias aujourd'hui face à cette problématique-là. On a l'impression qu'ils en parlent, et en même temps qu'ils n'en parlent pas. Là encore, c'est très flou, je trouve, le sentiment. Alors, depuis cet été, peut-être un petit peu plus. Mais on voit bien que, pour changer les choses, si on veut les changer massivement, effectivement, ça va pas être simple, quoi. Donc, déjà sur le rôle de la presse, peut-être votre réaction à tous les deux. Comment vous, la presse, ça veut rien dire. Il y a évidemment les grands médias. Je pense que Internet. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, sur les forums, etc. Mais globalement, comme déjà la presse généraliste, on va dire la presse médiatique. Et je terminerai juste en disant que, par exemple, en France, on sait que les grands médias sont entre les mains de 9 milliardaires. Donc, voilà, c'est peut-être compliqué aussi de ce côté-là. Bon, votre réaction sur, en gros... Oui, mais qu'il y a beaucoup... Le média, ce n'est pas seulement les médias, effectivement, de masse et les médias qui appartiennent aux milliardaires. Enfin, c'est ce qu'on a vu aussi avec RSF. C'est qu'il y a une multitude... Il y a quand même un peu de pluralisme. D'où la couleur qui n'est pas totalement rouge en France. Anne, un mot sur les médias, peut-être ? Vous qui avez 22 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas grandi avec seulement des médias papier, vous avez toujours baigné dans ce monde de web, quoi. Ce monde où des médias se créaient, mouraient, mais en même temps informés. Le rôle des médias. Il faut en parler. Enfin, les médias doivent relayer ce message qui est celui de la collapsologie, d'autant plus que c'est un message qui est très douloureux, qui est très compliqué. Mais la question, c'est l'angle. C'est comment on va en parler. Est-ce qu'il faut en parler à tout prix ? Enfin, il y a des vraies questions là-dessus, quoi. Est-ce que vous, si vous étiez journaliste, comment vous l'aborderiez, ce thème-là ? Est-ce que vous diriez directement, globalement, on va dans le mur, vaut mieux s'y préparer et voir comment ne pas sombrer dans la barbarie, qui est un scénario ? Mm-hmm. Est-ce que vous diriez, plus comme Cyril Dion ou d'autres, non, si on s'y met tous, à moins que je trompe sa pensée, mais si on s'y met tous, si on fait système, comme il dit, on peut arriver à amener d'autres propositions. Vous seriez un petit peu dans quel camp ? À la limite, ce que vous ressentez profondément, peut-être tout simplement, est-ce qu'à 22 ans, on peut se dire oui, il y a quelque chose, il y a juste une vague énorme qui est en train d'arriver. Comment le dire, quoi ? On vous laisse répondre vraiment. Là. D'accord. Alors, là, il y a vachement de choses en fait à dire. La première, en fait, la question que vous me posez, voilà, c'est si j'étais une journaliste, moi profondément à 22 ans, qu'est-ce que cet effondrement, comment je préfère l'aborder ? Est-ce que je veux me dire que c'est un truc inéluctable ? Est-ce que je veux me dire que je vais faire des petits gestes, etc. ? Je pense que c'est inéluctable. Et je pense que penser autrement est une faute politique. Est une faute éthique, dans le sens où, même s'il n'était pas inéluctable, pour travailler à accompagner un processus qui est possible, il faut le considérer comme inéluctable. Là, finalement, je reprends un raisonnement qui est catastrophiste. Voilà. C'est-à-dire que la question de finalement...
Continuez. C'est un catastrophisme en acte, finalement. C'est-à-dire que la collapsologie va un peu plus loin que le catastrophisme, en disant, cet effondrement n'est pas évitable. Le catastrophisme, c'est montrer des images terribles pour alerter, c'est ça ? Alors, le catastrophisme, c'est quelque chose qui a été théorisé notamment par Hans Jonas, le philosophe allemand, dans son principe responsabilité. Et c'est l'idée de tenir une posture qui est assez paradoxale, c'est-à-dire que pour éviter l'effondrement, il faut le considérer comme inévitable. C'est un effort d'imagination. Comme nécessaire. On peut discuter les termes. Mais c'est cette idée que voilà, il y a un truc un peu paradoxal et que on va pouvoir éviter l'effondrement en le considérant comme, enfin, la catastrophe, dans le discours catastrophiste, en le considérant comme inéluctable. Mais c'est un effort d'imagination, on va dire. Dans le discours de la collapsologie, c'est pas ça, c'est plus ça. C'est que maintenant, c'est pas imaginer que la catastrophe soit nécessaire, inévitable, etc. C'est que elle est là dans tous les cas. Moi, je pense que ouais, il faut ne pas se poser la question de est-ce que j'y crois ou est-ce que je n'y crois pas finalement à cette catastrophe qui arrive là, à cet effondrement. Parce que même s'il y avait une probabilité pour qu'on l'évite, tout miser sur cette probabilité, je pense, nous empêcherait de mettre en place une société qui puisse répondre à l'effondrement. Donc on a tous une culpabilité finalement. Et pour revenir aux médias, parce qu'on va un petit peu en parler aussi avec Yves, les médias ont également leur part de responsabilité, mais comme nous, tous citoyens, où finalement, on a beau peut-être être conscient de certaines choses, on ne veut pas totalement tout voir. Oui, mais les médias ont leur rôle à jouer. En fait, en période d'effondrement, voilà, il faut essayer de voir quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire, et puis essayer de faire le maximum là-dedans. Donc j'imagine que les médias doivent faire un peu la même chose. Après... C'est... La question des médias est assez intéressante parce que finalement l'effondrement c'est quelque chose de pas nouveau du tout, et c'était finalement ça le grand challenge de la collapsologie, à savoir que si on essaie de refaire si on essaie de parler de l'effondrement, on va commencer à trouver les causes de l'effondrement, à les dater historiquement, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et à partir de ce moment-là, en contextualisant un processus, on finit par en gommer la radicale nouveauté. On en fait quelque chose qui est toujours présent, dont la dynamique est déjà en marche et qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Et faisant ça, on inscrit l'effondrement dans un contexte. Voilà, c'est quelque chose on ne s'en étonne plus. Ça a perdu de sa nouveauté. Et donc la collapsologie, c'est finalement des chercheurs qui se retrouvent à dire « Ok, on doit essayer de faire parler de quelque chose qui ne fait pas événement ». Alors qu'on est dans une société qui court après l'événementiel, après l'événement, il faut des événements tout le temps. Et c'était ça le gros challenge de la collapsologie dans les médias, c'est comment faire parler de quelque chose qui ne fait pas assez événement. Donc Aurélien Barreau est nécessaire dans ce processus alors. C'est-à-dire qu'un astrophysicien qui a un peu pignon sur rue, qui prend la parole en disant il faut aller vers des formes de totalitarisme vert, quelque part il est utile à la cause, selon vous ou pas ? Je ne sais pas s'il est utile à la cause. Je ne vais pas donner un avis comme ça pour dire c'est bien, c'est pas bien, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Je ne sais pas dire ça. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la collapsologie, ces grandes stars de l'écologie, que sont un Aurélien Barreau, un Pablo Servigne, etc., font parler de l'effondrement. Ils font un tapage médiatique autour de l'effondrement. Et toute la collapsologie, moi, ma question maintenant, c'est de savoir s'il y a vraiment une spécificité du discours collapsologique. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, la collapsologie, c'est au moins un très, très bon outil de communication pour faire parler de l'effondrement, pour donner à l'effondrement une valeur événementielle qu'il avait finalement perdue. Yves, un mot, alors à la fois sur les médias, puis à la fois peut-être en rebond. Alors, les médias sont, là, c'est une banalité, une sorte de reflet de la société. Même parfois, les journalistes se définissent pour intermédiaire. D'ailleurs, médium, c'est bien ça, c'est celui qui est intermédiaire entre certaines connaissances économiques, philosophiques, politiques, et puis le grand public. Les médias, même si en effet la plupart des grands médias sont détenus par des gros capitalistes, ils s'auto-censurent. La presse est certainement une des plus libres au monde en France. Malgré tout, les gens dont le porte-monnaie et l'avenir financier dépend uniquement de ce qu'ils vont dire
s'ils commençaient à dire ben, on va faire des émissions régulières, comme certaines le font, par exemple Élise Lucet ou d'autres, qui prennent parfois des risques sur certains domaines et qui se font éjecter, hein, ça dépend, mais sur la collapsologie, c'est-à-dire en gros la fin du monde telle que nous le connaissons, jamais il y aura une émission régulière ou plusieurs 20 heures, enfin jamais pour l'instant. Pour l'instant. Et au moment où ça arrivera, il sera trop tard, bien entendu. On sera dans l'effondrement beaucoup plus grave que maintenant, parce que j'en dis, oui, mais l'effondrement, il a déjà commencé, on le voit justement avec les signaux un peu du changement climatique, de la biodiversité, etc. Ça, c'est le début du commencement des prémices. Hein. C'est vraiment le soft, quoi. Hein. Le hard, on n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder. Donc le moment où le documentaire de Clément Montfort, Next, oui, sera diffusé sur une grande antenne, là, c'est... Oui, c'est oui. Ben, c'est ça, c'est ce que disait... J'aime le citer parce qu'il m'a fait rigoler quand je l'ai vu ou bien quand je l'ai lu. Il y a un psychanalyste français assez connu qui s'appelle Jacques Lacan, qui est décédé maintenant, qui disait, qu'est-ce qu'on lui demandait, mais alors monsieur Lacan, qu'est-ce que c'est que le réel? Et il disait, le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. Et là il a tout à fait raison. Tant que monsieur Macron, madame May, madame Merkel, monsieur Trump, tant qu'ils n'en ont pas pris plein... qui ne souffriront pas dans leur chair. Je ne parle pas de lire des petites notes de leurs conseillers disant, vous savez, il y a des livres sur la collapsologie, lisez donc Pablo Servigne, comme disait notre blogueuse, là. Ça, c'est rien, ça. C'est... Mais non, c'est à ce moment-là. Or, ça, on revient à la démocratie dont on parlait, avec ce que disait la madame, peut-être qu'il y aura des formes, disons, d'éco-fascisme pour imposer des lois très impopulaires, que ce soit en matière, disons, de transport, que ce soit en matière d'alimentation. On le voit bien avec la bagarre entre les bouchers et les véganes, etc. On voit bien, même dans l'Europe, là, il y a de plus en plus de populismes qui sont dus à la baisse, je le dis bien, on n'aura pas le temps de le démontrer, à la baisse de l'énergie nette par personne en Europe. C'est pas autre chose que ça, que ce soit Salvini ou les Hongrois, hein. C'est pas du tout des trucs... Un peu comme on dit, bah oui, mais la guerre, quand même, au Moyen-Orient, par exemple, bah, c'est les chiites contre les sunnites, hein. C'est un épiphénomène, ça. Ce qui est vrai, c'est que c'est la malédiction du pétrole. C'est pour avoir le dernier pétrole à bas prix, à bas coût d'extraction, et en plus, light, oui, du bon pétrole qui est light, et non pas du pétrole affreux, comme dans le bassin de l'Orénoque, qui est plein de métaux lourds et qui est visqueux. Bon. Donc il faut être très, très matérialiste. Et là, vous lisez des rapports qui sont extrêmement ennuyeux, hein, plein de chiffres, de courbes, de machins comme ça, etc. Mais là, vous avez une vision du monde qui est la plus, à mon avis, la plus réelle, quoi, la plus réelle. Et à ce moment-là, vous dites comment on fait avec la démocratie, parce que ça s'approche tellement et c'est tellement grave qu'il faudrait des lois, disons, de type éco-fasciste, qui peuvent d'ailleurs arriver. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer aux élections européennes dans 6 mois. Hein, moi, je vois que Salvini, Mme Le Pen font copain-copain, etc. Alors, ils se prétendent plus ou moins écolo les uns les autres. C'est du bidon. Bon. Mais c'est pour dire que il serait très difficile dans nos pays démocratiques, qui le sont encore, même si on peut toujours critiquer, disons, les pays européens, c'est même impossible que des citoyens massivement, majoritairement, adoptent un crash programme d'une économie de guerre avant la guerre. C'est pas possible. Une petite respiration et puis on... la chronique de Merton, la case de Merton, et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de collapsologie. C'est l'étude de la fin de la civilisation. Mais pas celle du bug de l'an 2000, hein. Non, une vraie, une qui arrive vraiment. Car, pour citer le poète Didier Super... On va tous crever. Aujourd'hui, il n'y a que les très très vieux qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Mais bon, ce texte, il date déjà de 2004. Ça fait donc un bail qu'on sait. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Enfin, si ça change, mais pas tout à fait dans le bon sens. On est en 2018 et on a encore des gens qui pensent que le réchauffement climatique est un hoax créé par des Chinois. Et du coup, à chaque fois, on nous dit que c'est à nous, citoyens, de faire des trucs. On nous renvoie à notre responsabilité individuelle. Attention, hein, laissez pas couler l'eau quand vous vous brossez les dents. Et on utilise bien sa poubelle jaune. Sauf que vous savez quoi? Perso, j'en ai marre. Je suis pas responsable du système capitaliste actuel et de la société de consommation qui rend nos océans plastiques. On pourrait bien tous se laver les dents à sec qu'on n'empêcherait pas la pollution par les industriels. Il y a un système en place et il y a des gens qu'on a placés en responsabilité pour gérer ça, prendre des décisions.
Mais comme finalement on profite tous un peu de ce système dans nos pays riches, personne n'ose vraiment faire quoi que ce soit, de peur de se faire sortir. Et alors on se retrouve comme un autre poète, le regretté Corbier, qui se demandait dans une de ses chansons « Qui a coulé l'Erika ?» Vous savez, le fameux pétrolier. Alors, du coup, qui est responsable de cette fin du monde annoncée ? Les industriels qui polluent, les politiques qui en profitent, ou nous, citoyens, qui ne changeons rien ? Je pense qu'on finira comme Corbier par accuser les oiseaux. Ouais, c'est sûrement ça, les oiseaux. Allez, je retourne me brosser les dents. Notre ami Sylvain qui est resté vraiment à l'époque Récréa 2, donc Corbier, bien sûr, Club Dorothée, je crois. C'est... Et voilà, merci Sylvain, ça a pas mal fait réagir. Nils, oui, pour rebondir là-dessus, bon, alors, on sait tous que fin août, Hulot a démissionné, la politique des petits pas, ça ne marche plus. Et puis fin septembre, un mois plus tard, l'ONU décerne à Macron le titre de champion de la Terre. Macron, on entend des rires dans la salle, je traduis. Hein, pour... Macron, le super-héros du climat, qu'est-ce que ça vous évoque, ce choc entre le départ d'Hulot et... Rien, ça vous laisse quoi ? Moi, le départ de Hulot, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vraiment bien, parce que j'ai trouvé que ça rétablissait un petit peu de courage en politique. Je suis très attachée à une idée, c'était mon idée du collapsologue parésiaste. C'est un terme foucaldien, je n'avais déjà un petit peu parlé ici, à savoir, comme tous les lanceurs d'alerte, cette personne qui accepte de s'engager absolument dans l'énonciation de ce qu'il pense être vrai. Accepter de partir, enfin, partir comme ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'était honnête, c'était politiquement courageux, c'était accepter de déplaire peut-être. La parésia, c'est ça, c'est accepter de déplaire. Et je pense que peut-être qu'il y a eu quelque chose du déplaire dans l'acte de Nicolas Hulot. Peut-être que c'était une falsification du courage politique et que c'était finalement partir pour... Mais je crois pas, non. Je crois que moi, ça m'a plu. Alors après, Macron, champion de la Terre, bon... Oui, bon. Sur ce point, je n'en dirai pas plus, je crois que... Alors moi j'ai une question sur Twitter, continuez, hein, hashtag RDVF, bien sûr, cette émission, c'est la vôtre. Question de Violaine. Les ZAD, l'autogestion, l'auto-organisation à un échelon local, n'est-ce pas la solution face à l'effondrement ? Et c'est une question qui se pose à Anne et à Yves. Alors oui, pour une fois que je dis oui. Voilà, on l'a. Il peut y avoir, on le voit évidemment à Notre-Dame-des-Landes, et puis dans d'autres communautés, des gens qui ont à la fois une pensée globale sur l'effondrement et en même temps une action locale qui est, à mon avis, la plus efficace actuellement. Je ne crois plus guère, maintenant j'ai été à 6 ou 7 COP là, depuis 30 ans, je ne crois plus guère à ces trucs où je vois moi, surtout une régression. On verra celle qui aura lieu en Pologne là bientôt. Je ne m'attends pas à des miracles. Hein. Malgré le rapport du GIEC d'il y a 3 jours. Donc, le fait que des gens, à une certaine échelle, dont on peut discuter, s'auto-organisent pour devenir plus autosuffisants, notamment en matière d'énergie et d'alimentation, qui sont les deux bases absolues de la sustentation de la vie, sinon on meurt très vite, alors ça, c'est intéressant. C'est des vrais actes politiques. Ça peut changer... éventuellement par contagion la société, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ce qu'il faudra pas faire, je crois que vous l'avez évoqué à un moment, c'est de voir si les autres le font aussi. Et là, il faut être pas seul du tout. Il faut toujours faire les choses en société, avec la société locale, pour dire oui, mais il y a les réseaux sociaux, avec les groupes d'amis sur Facebook qui sont aussi bien au Japon qu'en Australie, qu'en France ou au Québec. Ça, jamais les gens seront solidaires comme ça. Ce qu'il faut, et même d'une certaine manière, c'est mon principal epsilon d'espoir, il faut faire de la sophrologie politique. Il faut faire du care, comme on disait jadis dans les mouvements écoféministes. C'est-à-dire, et c'est vraiment le plus important, c'est être extrêmement solidaire de manière inconditionnelle avec ses voisins, quels qu'ils soient. J'habite dans un HLM avec des migrants, et bien c'est eux, je ne les ai pas choisis, ils ne sont pas forcément sympathiques, hein.
Mais ils sont là, ils sont dans le même espace écologique, dans le même biotope que moi. Donc c'est avec eux que je vive ou que je vais mourir. Et ce n'est pas les gens qui font un jeu vidéo comme Fortnite, où on est 50 millions d'utilisateurs toute la nuit, comme ça, et on discute, parce qu'on discute avec un micro aussi, et on tue les autres, enfin, de manière vidéaste. Bon. Non, non, c'est avec les gens de mon quartier, de mon immeuble, de mon village, éventuellement de manière volontariste, où on fait des groupes de discussion, un petit peu comme font les villes en transition, et on se dit comment s'organiser pour que de plus en plus, mais quand même assez vite, parce que ça ne va pas tarder, on puisse survivre alimentairement et énergétiquement. Alors après, il y a les besoins seconds qui sont justement, second, c'est la pyramide de Maslow, que je conteste un petit peu, mais quand même, qui sont évidemment la sécurité, l'éducation, la recherche, et même l'abri, la chaleur. Mais si vous n'avez pas d'alimentation et si vous n'avez pas d'énergie, comme disait le grand homme politique qui était pourtant de droite, mais peu importe, Churchill, entre la démocratie et la barbarie, il y a 5 repas. C'est-à-dire 3 jours, hein, et même pas 2. Si Rungis s'effondre, mais Paris est en guerre civile avant la fin de la semaine, en gros. Donc c'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est des choses très, très sérieuses. Et donc, le fait que des gens prennent des initiatives, comme les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, mais sont un exemple sociodémographique, un exemple sociologique, psychosocial de ce qu'il faut faire. En gros, c'est un message, moi je ne suis pas chrétien du tout, mais c'est un message presque christique, aimons-nous les uns les autres, là où nous sommes, pas les gens lointains. Disons qu'il faut faire ce qu'on appelle des raisonnements glocaux, c'est-à-dire c'est le local moins les murs. Je sais qu'il y a des problèmes mondiaux, l'effet de serre, la perte. Eh bien j'agis avec mes gens qui sont mes voisins, on agit à 500, on agit à 5000, on agit à 50 000, mais ça se passe dans mon canton. Comme ça se passe actuellement, c'est l'exemple historique, que je me plais à citer, du Rojava, qui sont les Kurdes du nord de la Syrie, en Syrie, qui est un pays absolument dévasté, avec un sanguinaire à leur tête, par centaines de milliers, ils tuent des gens avec des armes chimiques, etc. Mais il y a quand même des gens qui résistent. C'est les Kurdes du nord de la Syrie, ils sont 2 millions dans 3 cantons, et ils sont écoféministes, ils font du municipalisme au sens de Murray Bookchin. Vous trouverez sur à la fin de l'émission éventuellement qui est Murray Bookchin, qui est un municipaliste, disons, des années 70 américain, ou bien ils font du territorialisme comme le grand géographe du biorégionalisme Alberto Magnaghi, qui est un grand géographe italien. Voilà des gens qui ont mis en œuvre depuis 5 ans, ça tient à 2 millions. C'est tout à fait remarquable, hein, tout à fait remarquable. Donc ça peut exister à 50 ou à 2 millions. C'est une reconnexion finalement volontaire à sa nature, à l'humain, à la nature. Et peut-être même avec une forme de spiritualité, pardon, mais tous les deux, comment voyez l'évolution, si je puis dire, de la religion dans cette histoire-là? Oui, on va y venir juste après, mais Anne, je souhaitais vous entendre justement sur ce phénomène des ZAD. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, à savoir qu'un retour au local et de véritables expérimentations politiques. Pour moi, je trouve que c'était des propositions vraiment très intéressantes. Et la question des places qu'on donne aux ZAD, du regard qu'on porte sur les ZAD, c'est qu'il y a vraiment une question d'imaginaire politique. En fait, je crois qu'il y a quelque chose dans ces questions d'effondrement qui réside vraiment dans... Voilà, c'est une guerre de représentation, c'est une guerre d'imaginaire politique. Et on a d'un côté une pensée de la mesure, de la limite, de la, quelque part d'une forme de vulnérabilité qui s'oppose à un imaginaire politique de la démesure, du dépassement à tout prix. C'est une guerre de représentation. Et je trouve que les ZAD, c'était vraiment des petites expérimentations politiques. C'est des petites, non. C'est l'idée. Enfin, je pense qu'il faut les prendre vraiment très très au sérieux. C'est pour moi, c'est là qu'il faut aller. Enfin bon. L'autre question. Sur la place des religions. Ça, j'ai vu Yves Cochet faire au moins 10 fois oui de la tête. Hein, là, on est beaucoup de oui d'un coup là. La place des religions. Alors là. Dans ce contexte, effectivement, où les gens recherchent du sens et où ils sentent confusément, consciemment, inconsciemment, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne marche pas. Et chacun donc, va trouver
du réconfort quelque part. Et peut-être que il y a la politique, mais il y a aussi la religion qui peut renaître de ses cendres d'une certaine manière là-dessus. Comment vous voyez ça? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que la spiritualité face à un effondrement, c'est quelque chose. Enfin, c'est une question qu'on se pose. Enfin, on veut se tourner vers la spiritualité quand on est confronté à quelque chose comme ça. Ça peut exister, c'est pas. Ok. Ce qui m'intéresse, ce serait de voir à quel moment. Peut-être, on pourrait, si on faisait de la collapsologie un récit qui ne se réinvente pas, un discours absolument qu'on ne peut plus négocier. À quel moment la collapsologie pourrait finalement devenir une forme de un retour des millénaristes, alors que tous les collapsologues rappellent qu'ils ne sont pas des millénaristes et que l'effondrement n'est pas une apocalypse. Mais en fait, je pense qu'il faut faire très attention à ce que la collapsologie, même si elle nous invite à nous poser la question de la spiritualité et que c'est important, que la collapsologie ne se fasse pas religion pour autant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais après, je ne pense pas que ce soit réellement... Enfin, si, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, je crois. Mais j'ai l'impression que la collapsologie est quand même un objet en constante évolution, en constante renégociation, que le discours sur l'effondrement, finalement... Enfin, il y a des discours sur l'effondrement. Et la collapsologie n'étant plus... Enfin, j'ai tenté dans mes précédents travaux d'essayer de distinguer un cadre théorique du discours de la collapsologie qui inscrirait dans le marbre ce qu'est la collapsologie. Mais ça ne marche pas. La collapsologie, maintenant, est complètement... Enfin, le discours sur l'effondrement, c'est un truc autonome. Tout le monde peut se dire collapsologue. Et donc, du coup, je pense que ce risque-là de la collapsologie comme religion... J'ai un peu détourné votre question. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir du collapso-washing aussi, d'une réappropriation finalement oui. de ce discours enfin... par... De ce point de vue-là, ça va être très difficile pour quelques systèmes économiques ou politiques. Les transhumanistes, par exemple. Alors, oui, alors... mais ils le sont pour eux-mêmes et pour quelques-uns, pour une sorte d'élite protégée, en disant, nous au moins... Bon, par cryogénie ou par changement génétique ou par je ne sais quel. En allant sur Mars. Ou même ceux qui veulent aller sur Mars. Enfin, ça, on peut toujours rêver. D'ailleurs, Elon Musk, il a envoyé, en effet, une voiture, là, bon, il l'a mis dans l'orbite, tout ça. Bon, tout ça, c'est très médiatique. Pour moi, excusez-moi alors là d'être très grossier, c'est de la connerie pure, c'est de la crétinisation de masse. Et ça marche, c'est très viral sur Internet, et même sur les grands médias, mais c'est formidable, Elon Musk, c'est le génie du siècle. C'est un pauvre type, enfin bon, et d'ailleurs, il finira comme ça. Bon, ceci étant dit, votre question sur la religion. Eh bien, moi qui suis très athée, bien que baptisé jadis, au XXe siècle, je dirais qu'il y a une question, en effet, on ne peut pas faire communauté de ZAD ou à 2 millions, s'il n'y a pas une sorte de transcendance qui dépasse votre être individuel ou même votre famille. Mais cette transcendance, soit elle est plus ou moins figurée ou représentée par des entités suprahumaines, toutes les religions pratiquement, même dans le bouddhisme, il y a quelque chose d'un grand tout dans lequel on baigne, avec des passeurs, des entités qu'on peut écouter plus ou moins parce que ça vibre dans des univers parallèles, enfin je ne veux pas le détail. Ou bien alors, c'est une auto-transcendance de la communauté des humains eux-mêmes. Donc, qui ont l'impression que quelque chose les dépasse, et c'est ça qui les réunit. C'est ce qu'avait dit le plus grand philosophe, donc Spinoza. C'est en effet, disons, les transferts d'affect de vos voisins, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un contact physique de proximité. C'est par proximité que ça se propage. Par proximité, on peut avoir une auto-transcendance d'une communauté qui se forge un récit mythique de ses origines et qui dit, voilà, nous sommes ensemble parce que, bah, par exemple, pour certains, c'est du type totémique. Par exemple, il y avait un célèbre article, je crois que c'était dans la revue L'Homme, une grande revue d'anthropologie ou quelque chose comme ça, qui disait « Tous les Bororos sont des Araras. Les Bororos, c'est une tribu amazonienne. » Et comme il disait, nous, on est une représentation humaine, mais d'une même entité qui peut être aussi bien représentée par des araras, qui sont des oiseaux, quoi. Et alors,
l'anthropologue de dire, mais enfin bon, c'est une métaphore, vous n'y croyez pas vraiment. C'est juste comme ça, pour dire, un peu comme les gens qui veulent voler comme Icare avec des ailes, mais enfin, c'est un rêve, c'est une utopie. Il dit, non, c'est notre vraie vie. Nous sommes simplement une représentation, mais il y a des araras qui sont nos frères, beaucoup plus que vous qui êtes un autre. Je ne vous reconnais pas. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est que dans une communauté comme le Rojava, au Kurdistan du nord de la Syrie, ou à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, les gens se racontent des histoires qui deviennent au-dessus et donc qui disent « il y a une transcendance qui me dépasse en tant qu'individu » et en gros, j'échange les affects et les rituels. Il faut des rituels, hein. Il faut des cérémonies, il faut quelque chose de mythologique. Sinon, il n'y a pas de communauté, il n'y a que des individus atomisés qui se font la guerre les uns contre les autres, comme le pensait Hobbes. Ça. On revient un peu vers Robespierre et la fête de l'être suprême et de la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné... je veux dire que derrière, quand vous dites ça, on peut sombrer aussi rapidement, si on y prend garde, justement à des nouvelles formes un petit peu d'idéologie, même si elles sont locales, elles seront quand même... Oui. Mais vous parliez de Harara, je vais rebondir sur Harari. voilà un autre fantaisiste, alors là. Ça se vend, hein, ça se vend. Ça se vend très bien, et il dit une chose qui n'est peut-être pas complètement idiote. Un transhumaniste. Alors, je pensais à l'évolution exponentielle des technosciences qui automatise le travail, remplace, etc., et qui peut créer des nouvelles classes, une nouvelle classe. Après la classe des exploités, dit-il, il y aurait la classe des inutiles, et donc des gens qui n'auraient plus de possibilité dans le système actuel, hein, d'avoir du travail. Alors, on parle de revenu universel, etc., peu importe, mais ce sentiment d'inutilité qui est quelque part un petit peu là, j'ai l'impression, dans la société, et ça touche tout le monde, hein, l'école blanche, tout le monde, personne n'est à l'abri, le banquier, le médecin, etc., d'être remplacé par les intelligences artificielles, en tout cas en partie, et qu'il y a ce sentiment un peu diffus d'inutilité qui vient se rajouter à ce sentiment d'être complètement impuissant face au réchauffement climatique et à toutes ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas un double effet là qui est quand même assez terrible? Ça tombe mal, j'ai envie de dire, qu'on ait en même temps la problématique de la collapsologie et en même temps cette problématique de la fin de l'emploi, ou je ne sais pas comment l'appeler, quoi, mais de cette inutilité des masses. Comment vous... Alors, comme je ne crois pas que tout ceci arrivera de manière massive, encore une fois, bien sûr, on sait faire des IA, des intelligences artificielles ici ou là, il y a des grands progrès technologiques, enfin, etc., les smartphones et d'autres systèmes d'apprentissage. Bon, il y a des machines qui battent les meilleurs joueurs d'échecs et même les meilleurs joueurs de Go, tout ça, bon. Mais le fait principal, il faut toujours y revenir, sinon, encore une fois, on se trompe, c'est que dans 10 ans, on n'en parlera plus du tout. Ce ne sera plus du tout à la mode. Et Harari aura été, disons, un rêveur de plus, un idéaliste, un transhumaniste, parce qu'il est transhumaniste, comme d'autres. Hein. Et on en parle beaucoup. Oh, ça fait les médias. Ça marche. Parce qu'on dit, oui, voilà, le plus qu'humain, quoi. Est-ce que je vais avoir mon intelligence non plus basée sur la biologie du carbone, mais sur le silicium, gravé sur un disque dur? Mais j'aurai toujours ma sensibilité et mon intelligence, hein. Enfin, des trucs qui sont des fantaisies absolues, qui n'arriveront pas, ça n'arrivera pas, précisément parce que l'effondrement, comme je disais tout à l'heure, mais sans blaguer du tout, qu'en 2035, il n'y aura plus d'Internet et que l'électricité, s'il y en a encore, sera intermittente, pensez bien qu'à Harari, là, il sera aux poubelles de l'histoire. Mais ça fait rêver. Ça fait rêver. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche en politique, on fait rêver, et les gens votent pour vous. Votez pour moi, ça ira mieux demain. Si vous dites... Je vais présenter un programme municipal en 2020, ou même en 2019, là, pour les européennes, en disant, voilà ce que je vous dis, c'est un peu ce que je vous ai dit, là. Il faut faire du biorégionalisme résilient, inspiré du municipalisme de Murray Bookchin, comme le Rojava, tu fais 0,5%. Personne ne croira à ça. Et 0,5, ça reste encourageant. Et encore, 0,5, c'est encourageant, t'as quelques électeurs. Enfin, voilà. Donc, non, c'est justement ça, d'ailleurs, un des blocages que j'appelle de psychologie sociale, que j'appelle la combinatoire spéculaire. Personne n'y croira, des trucs comme ça. Moi, qui n'ai pas... J'ai plus rien à perdre. Donc je peux dire de manière tranquille à la télé ou comme l'interview à l'Express cet après-midi, les trucs que je crois vrais. Ça n'est pas du tout
que je suis génétiquement un extrémiste, encore une fois, c'est le plus rationnel et le plus probable qui va arriver. Alors qu'on dit, oui, mais il y a le scénario négawatt quand même, ou bien la loi de transition énergétique. Ça, c'est du sérieux, c'est très, très modéré. Ça n'arrivera jamais. La loi de transition énergétique est une loi pitoyable d'aveuglement. Ah bon. Anne, je vous voyais avec le micro prêt à bondir, prêt à réagir. Oui, parce que effectivement, le transhumanisme, tout ça, ça fait rêver. Et puis aussi, c'est quelque part, il y a quelque chose de la solution de facilité dans cette pensée que voilà, la technologie, les transhumanistes, etc., pourront nous sauver de l'effondrement. C'est super marrant parce que on en parlait sur les sites internet français qui sont dédiés aux questions d'intelligence artificielle, de transhumanisme, etc. Il y a des tonnes de conférences de Pablo Servigne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent collapsologues en adoptant cette idée que le transhumanisme, enfin. Sera une réponse à l'effondrement. Et en fait, ça plaît, parce que ça fait rêver, parce qu'il y a une élite qui sera sauvée, donc bon, ça plaît déjà à une élite, quoi. Bah, selon les transhumanistes, en tout cas. Ah, selon eux, oui. Et non seulement ça plaît, mais c'est confortable comme pensée, je pense. C'est confortable parce que finalement, c'est un imaginaire politique qui est proche de celui qui existe déjà, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, cette idée du dépassement, du pas de limite. Donc on est dans la continuité. Et c'est un rapport au temps qui est toujours... qui remet au goût du jour le progrès, cette fois-ci dans un truc vraiment très futuriste, demain sera une solution au problème d'aujourd'hui, etc. etc. C'est confortable parce qu'il n'y a pas de réel changement de paradigme. On est dans une continuité, je pense. On va, et là, on se dirige tout doucement vers une séquence un peu finale où on va respirer plusieurs fois, mais tous ensemble. On va passer à la minute bouclée. Et pendant la minute bouclée, il y a notre ami Charlie qui va arriver à côté de Niels et qui va parler musique. La minute bouclée, et à tout de suite. Bonsoir. Alors l'autre matin, je me brossais les dents et j'écoutais les informations à la radio. Alors ça commentait des chiffres au sujet de la consommation à la rentrée, et notamment celle du textile. Parce que celle-ci, eh bien, elle aurait diminué ces dernières semaines. Cela fait 10 ans que la consommation de textile est en baisse, année après année. Et 2018 ne fera pas exception. Les économistes prévoient même une chute de 3,6%. Alors les arguments qu'avancent les commerçants et les experts de la communication sont les suivants. On n'a plus d'argent, c'est la faute à la crise, les impôts sont également tombés à la rentrée. Mais si finalement c'était un mal pour un bien? Les conclusions qu'on peut lire notamment dans les articles qui relatent ces tendances, eh bien s'apparentent à « dès que les températures chuteront, les Français, les consommateurs pourront enfin se ruer sur les manteaux et sur les pulls de la saison d'hiver ». Mais pourquoi? Enfin, on ne peut pas remettre ce qu'on avait déjà l'hiver dernier. J'ai voulu aborder ce thème parce que ce soir, eh bien, on parle de collapsologie. C'est l'étude de l'effondrement de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. En gros, c'est de se dire, ok les gars, avec tout le pétrole qu'on surexploite, toute la pollution qu'on laisse traîner derrière nous, tout en abusant aussi de nos ressources naturelles, pour toujours surproduire, toujours, et toutes les conséquences que ça a, eh bien, sur notre planète, sur nos écosystèmes, que ce soit aujourd'hui, mais aussi pour nos générations futures, eh bien, on va se prendre le mur en pleine face, en mode... Du coup, je me suis mise à visionner eh bien, cette excellente série web documentaire qui s'appelle Next. Donc, j'en suis à l'épisode 4. Merci de ne pas me spoiler. En fait, ce que je retiens pour l'instant, c'est que eh bien, tout ce qu'on connaît actuellement, que ce soit... voilà, l'essence à tout va, l'industrie alimentaire qui déraille, le confort matériel surabondant. Eh bien, tout ça, eh bien, ça va nous revenir en pleine figure. Parce que c'est trop, en fait. On en demande toujours trop, tout le temps. Alors, pourquoi je vous parlais de textile au début de cette chronique? Eh bien, tout simplement parce que lire que la consommation baisse, ben, en fait, ça fait du bien dans pareil moment. En fait, c'est de se conforter en pensant que eh bien, les gens ont compris ou en tout cas commencent à prendre conscience que leur carte bleue, elle peut avoir une incidence à l'échelle de la planète. Elle peut provoquer un effet papillon chez d'autres populations eh bien, qui souffrent pour nous confectionner le dernier jean à la mode
ou le dernier iPhone. Ce qui reste dommage aussi, c'est qu'en entendant que la consommation est en baisse et que les Français n'ont plus de pouvoir d'achat, c'est complètement écarté toute la question de la consommation alternative qui s'avère être plus solidaire, plus éco-responsable et éthique. Vive les friperies, vive les dépôts-ventes, les troc-parties, les sites d'occasion, la deuxième main. Il y a tellement de ressources qui circulent qu'il est inutile de se ruer sur du nouveau. De toute façon, on n'a pas de sous. Alors les habitudes de consommation changent. La France tendrait-elle vers une société de déconsommation? Donc je vous laisse explorer cette question. Et puis surtout, fouillez bien vos placards, ruez-vous dans les friperies avant de vous ruer sur des fringues que vous ne porterez qu'une seule fois, parce que c'est à la mode. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine émission des Rendez-vous des Futurs et sur mes réseaux tout le temps. Salut! Merci Laura. Je pense que vous en pensez. Bon, moi, je suis toujours un petit peu fan de ces pastilles parce que ça nous montre aussi différents biais pour toujours parler d'un thème, pour l'explorer de manière un peu parfois grand public, un petit peu plus opaque pour d'autres, à la mode tweet. Là, je pense à Merton où on le voyait dans une petite fenêtre. Voilà, c'est autant de... Même si finalement j'ai vu une question sur Twitter, d'ailleurs, dans la salle ici au Cube ou derrière votre écran, continuez de poser des questions, hashtag RDVF, continuez mais vite parce qu'on se dirige tout doucement vers la fin. Alors ici au Cube, nous pourrons continuer d'échanger avec nos invités et puis en direct, bon, on reparlera de ce thème. Mais bon, il faut finir à un moment, comme disent les collapsologues. cette question du récit, justement, cette question de trouver des biais de sensibilisation pour toujours, enfin pour qu'on soit de plus en plus nombreux à comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'effondrement, ce que c'est que la collapsologie. Ça vous parle, vous êtes plutôt pour. Ça reste, c'est des petits pas, mais c'est des petits pas pour qu'on soit plus nombreux. De créer de nouveaux récits pour parler de l'effondrement. Mmh. Oui. Je pense que la première chose à faire même, c'est de dire adieu à d'anciens récits. Quand on pense effondrement, quand on pense catastrophe, on voit Mad Max, on voit de la science-fiction, et c'est très, certainement très intéressant pour commencer à réfléchir à ces questions-là. Mais il y a quelque chose qui, dans ces représentations-là de la catastrophe qui nous viennent tout de suite quand on y réfléchit, il y a quelque chose qui nous rend l'effondrement plus lointain, plus inatteignable. Et puis aussi, c'est ce genre de récit qui va mettre en avant des héros qui vont sauver le monde, ou au moins leur peau, ou des choses comme ça. Moi, je ne me reconnais pas dans cette forme d'héroïsme. Donc je pense qu'il faut d'abord adopter cette posture un peu stoïcienne, à savoir, voilà, il m'arrive quelque chose, je vais d'abord essayer de travailler sur les représentations que j'ai de ce quelque chose. Et je vais essayer de déconstruire un petit peu ça pour voir quelle forme de nouveau récit on va pouvoir créer. Donc je pense qu'il faut commencer par faire un adieu au récit traditionnel. Et après, peut-être essayer de voir comment on peut créer quelque chose. Je parlais de la science-fiction, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même dans la science-fiction, c'est cette question d'aventure. Parce que accepter qu'il y a un effondrement, je crois que c'est se lancer dans une aventure mortelle. Je veux dire, une aventure... Non, mais enfin, parce que je pensais à un philosophe qui s'appelle Yankelevitch qui a parlé de l'aventure mortelle. Et c'est ça, accepter qu'il y a un effondrement, c'est accepter de se lancer dans une aventure, c'est-à-dire accepter qu'à partir de maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je sais que ça arrivera, mais je ne sais pas exactement ce que ce sera. Et donc, du coup, je pense qu'il faut garder des... Enfin, on pourrait créer des récits d'aventure comme ça, mais avec peut-être une aventure plus humble, je ne sais pas si c'est le terme exact, que dans les gros films hollywoodiens. Mais voilà, ce serait ma réponse pour le récit. C'est peut-être un récit musical. Et là, je me tourne délicatement avec une transition qu'on retiendra vers Charlie. Charlie, vous le connaissez, vous qui êtes habitué à voir les Rendez-vous du Futur. Il présente une séquence consacrée aux acteurs du changement. Ce soir, on savait que ce serait une soirée dense, donc les acteurs du changement, on y reviendra dans d'autres émissions. Mais on s'est quand même dit avec Charlie qu'il y avait quand même quelque chose à faire, puisque vous le savez, Charlie, c'est le spécialiste des vinyles, le spécialiste de la musique, et puis des coups de cœur aussi, de l'humain. Donc Charlie, je te laisse. Merci Éloi. Bonsoir. Alors, quand on m'a proposé donc de partager mes coups de cœur musicaux sur une émission qui avait pour thème la collapsologie, l'effondrement, tout ça, la première réaction, en fait, c'est que j'ai eu très peur. Et la première chose que j'ai faite ensuite, c'est que je suis allé voir mon armoire à vinyle. C'est bon, elle était là, elle ne s'était pas effondrée. Et qu'est-ce qui m'est venu en premier? En fait, trois vinyles sont venus vers moi, des vinyles de musique électronique. Le premier,
C'est celui-ci. C'est quoi? C'est un album du groupe Outtaker, deux Britanniques qui sont très connus dans le microcosme de musique électronique, avec un album qui s'appelle Oversteps. Quelque part, c'est avec la notion en fait d'outrepasser. Et là, je me suis dit en fait que ça faisait vraiment sens. Alors l'écoute de cet album est une expérience un petit peu sombre, un petit peu chaotique. On peut écouter quelques... On ne sait pas très bien si c'est doux, c'est angoissant. En tout cas, c'est mystérieux. Je vous invite à tenter. Vous avez entendu ? À tenter cette expérience. Et puis ensuite, il y a un deuxième vinyle qui est venu à moi. C'est celui-ci. C'est Mango Drive de Rhythm and Sound. Alors là, un artiste allemand qui, lui, en fait, a voulu tester quelque chose à la croisée de la techno et du dub avec des basses très, très profondes. Et surtout, en fait, il a quelque chose de très particulier. C'est qu'il utilise une sorte de souffle en arrière-plan. On dirait comme le bruit du silence ou le bruit peut-être de... Je sais pas, il y a quelque chose en fait de vivant, mais qu'on entend très très peu, c'est quelque chose qui plane. Et là, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui battait au-delà de cette basse. C'était aussi sans doute, peut-être, je sais pas, mon cœur. Mais non, c'était le troisième album, troisième vinyle, cette fois-ci d'un artiste qui s'appelle Fortet, un nom, bon, pourquoi pas, et qui a sorti un dernier album ici avec un extrait qu'on va écouter ensemble qui s'appelle Lush. Alors, on va pas tout de suite lancer, en fait, l'extrait. On va juste que je vous dise quelques instants comment il faut l'écouter. Il faut écouter la petite introduction. On a l'impression que c'est un instrument acoustique métallique. Et finalement, je pense que c'est vraiment en fait vraiment de la musique fantôme, de la musique électronique. Et puis une ritournelle arrive et on se fait emporter par cette ritournelle. Et à la fin de ce voyage, j'ai bien vu quelque chose. Je pense que c'était de la lumière. Bonne écoute, les références sont à retrouver sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup, Charlie. J'ai une question à brûle pour point. Si vous aviez un disque en ce moment que vous écoutiez ou un groupe que vous emmèneriez avec vous, là, comme ça. Ah. Oh là là. C'est comme ça. C'est... Rien à voir avec l'effondrement, du ah coup. Ah, non. Mais j'amènerais du Alain Bashung. Voilà, j'aime beaucoup Alain Bashung. Et j'amènerai, je ne sais pas où, Léo Ferré, notamment La mémoire et la mer. Très bien, Léo Ferré, oui. J'emmène aussi. La tétralogie de Wagner, peut-être. Non, mais sérieusement. Je sais pas, mais ça m'a beaucoup plu, là, le dernier. Oui, moi, j'emmènerai tous tes choix, Charlie, qui sont en général excellents. Et voilà, je me fie à ton... Vous lui dites comment vous êtes et il vous sort une musique qui vous conviendra. Voilà, c'est un nouveau boulot, tiens, ça peut être pas mal. On va passer au mot de la fin. Nils, un petit mot ou... oh, bah, alors... Moi, je vais poser une question très... Ah, ben, voilà, il fallait que ce soit une question. Mais bon, allez oui, une dernière question, du coup. Comme c'est une question qui est très perchée et un poil philosophique, j'avais envie de vous demander à tous les deux, est-ce que finalement le combat qui s'ouvre pour l'humanité aujourd'hui, c'est pas de se sauver elle-même, tout simplement? Non, mais elle peut renoncer. Hein. Non, il faut répondre à cette question. Oui, c'est évidemment une interrogation philosophique. Est-ce que l'humanité doit moralement être sauvée d'elle-même? Et des mots affreux qu'on a décrits, des mots M-A-U-X. Oui, même si on peut envisager dans l'avenir quoi, qu'il peut y avoir une extinction de l'espèce. C'est vrai qu'on habite une planète périphérique d'une petite galaxie parmi les dizaines de milliards. Ça sera aussi, du point de vue des temps géologiques, une fluctuation imperceptible. Hein. Mais ce serait dommage, d'autant plus que... il n'y aurait personne, en tout cas,
au sens humain du terme depuis 100 000 ans, si vous voulez, pour en faire le récit, et puis surtout voir toutes les richesses de la culture qu'on a quand même accumulées, et qui sont notamment la musique, qui sont inestimables, qui n'ont pas de prix, un peu comme la nature n'a pas de prix au sens financier du terme. Donc, il faut tout faire pour éviter l'effondrement, mais je ne reprends pas le raisonnement spécieux, à mon avis, de Jean-Pierre Dupuis, ce philosophe, un peu le même que celui d'Antionas, qui dit « l'effondrement est nécessaire et inéluctable, donc on va tout faire pour l'éviter, et donc il n'y aura pas d'effondrement ». Ça, ça ne marche pas du point de vue, disons, des masses humaines. Et notre croyance, je crois qu'elle est partagée en tout cas, c'est que ça aura vraiment lieu, d'une certaine manière, la décroissance, on n'a pas prononcé le mot beaucoup, mais c'est presque la même chose, ça n'est pas une question de volonté ou de choix économique, moi je suis pour la croissance, moi je suis pour la décroissance, c'est notre destin. Anne, c'est compliqué après ça, mais oui. Ça suffit. C'était quoi la question originelle, du coup? C'est souvent le problème avec les questions. Est-ce non, que notre oui, destin, ce n'est pas de nous sauver de nous-mêmes? En est-on capable? Mais oui, on en est capable. Aller vers la sobriété heureuse, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce qu'on en est capable? On en est... Ou un autre mot de la fin, sinon, hein, mais... Non, mais je pense... Je pense que notre humanité est mise à l'épreuve. Et, enfin, notre humanité... Je pense que, en fait, il va falloir redéfinir notre humanité en tant qu'espèce humaine, etc. Bon, peut-être qu'effectivement, une extinction est possible. Mais du coup, je vais complètement tricher ta question, je crois. À savoir que, en fait, c'est l'humanité qui se sauve d'elle-même. Non, en fait, je pense qu'il faut redéfinir notre humanité. Et je pense que c'est faisable avec l'effondrement. Enfin, c'est le moment de le faire. Redéfinir notre humanité. En acceptant peut-être notre vulnérabilité, en travaillant sur une forme de solidarité nouvelle, redéfinir notre humanité. Merci beaucoup, merci à tous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission demain. Claire Douvian, avec qui nous allons parler évidemment océan, combat, bloom, pêche électrique, controverse, etc., etc. Le 17 octobre, vous notez aussi dans vos agendas l'émission de notre amie Véronique Angé-le-Fribert du Forum Changer d'air, qui se passera ici au Cube avec Laurence de Villers et notre parrain Joël de Ronet, bien sûr. Et puis le 20 novembre, on va parler du Caire. On en a un petit peu parlé avec Fabienne Brugère. Philosophe qu'on connaît, qu'on recevra ici, on a vraiment hâte. Et donc, à tout de suite sur les réseaux, merci.